Je viens vous parler d'un enfant du pays, hein, que j'ai rencontré il y a, dont le destin a pratiquement participé à ma plongée dans l'histoire. Hein. Si j'ai repris des études d'histoire, c'est pour percer le mystère d'Amiens. Parce que en rencontrant ce personnage au cours de mes lectures de loisirs, j'ai eu l'intuition que ce garçon était quelqu'un de très bien, que l'unanimité qui était faite autour de lui pour en faire un monstre cachait quelque chose de tout à fait suspect. J'ai un bon instinct là-dessus, bon, c'est pas la peine d'être sorti de la cuisse de Jupiter pour comprendre que si tout le monde se rue sur un homme seul, c'est probablement qu'il y a quelque chose à cacher. Mais disons que moi j'ai eu cette obstination qui a consisté à dire, je suis sûr qu'il y a un secret là-dessous, c'est une affaire de mœurs, pourquoi le pif. Je dis, quelqu'un qui attaque le roi dans le dos, qui se laisse prendre, et qui, en sachant pertinemment qu'il se fera prendre, et que son sort est scellé, et qu'il sera épouvantable, et dont personne ne réussit à dire pourquoi il a fait ça, à part qu'il est fou, je dis, voilà, c'est pour moi ça. Il y a quelque chose à découvrir, et voilà. Je l'ai découvert. Ça a justifié que je reprenne mes études d'histoire. J'avais 51 ans. Voilà, j'ai repris mes études d'histoire le 11 septembre 2001. Voilà. Comment je sais que c'était le 11? Parce que c'est le 11 septembre 2001 que j'ai reçu les premiers cours par la poste. Et j'ai dit, voilà, j'ai reçu au courrier, je commence une licence d'histoire. Et en ouvrant la radio, j'ai appris que... Enfin, quelque chose ce jour-là s'est passé qui n'était pas uniquement le fait que je reprenais les études d'histoire. Voilà. Donc Damien, c'est un peu mon copain. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. C'est vraiment un enfant du peuple. C'est un enfant du peuple. C'est un fils du peuple dont je vais vous raconter l'histoire. Alors, comment connaît-on Damien? Eh bien, parce que le mercredi 5 janvier 1757, nous sommes dans le courant du règne de Louis XV, il gèle à Pierrefendre. Il fait très très froid ce jour-là. Et le roi a été absent. Pour la semaine, il n'est pas au château de Versailles, il est à Trianon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Versailles, mais vous avez à Versailles le château qu'on voit en arrivant de Paris. Et Trianon, c'est au bout du parc. On ne peut pas être à la fois au château et à Trianon, c'est l'un ou c'est l'autre. Il faut pratiquement y aller en carrosse ou à cheval. Enfin, c'est vraiment à l'extrémité, c'est toujours dans le parc, mais c'est à l'extrémité du parc. Donc, à partir du moment où il a été absent pour la semaine et qu'il revient, c'est un événement. Le roi n'est pas là. Si il est là, il revient de Trianon. Et pourquoi revient-il de Trianon alors qu'il a décidé d'y passer quelques jours? C'est parce que sa chère fille Adélaïde est malade. Elle a une maladie qui vient d'arriver, qu'on ne connaissait pas avant, qui se caractérise par des maux de tête, le nez qui coule et des grosses fièvres. On appelle ça l'influenza. Ah, c'est la grippe. Voilà, je peux vous dire à peu près que c'est dans ces années-là que cette maladie qu'on ne connaissait pas avant est arrivée. Donc la fille du roi Adélaïde est clouée au lit pour la grippe et le roi, qui est un bon papa, pas sûr que ce soit si bon que ça, mais disons, il en a le comportement, il revient de Trianon pour voir sa fille. Donc, en sortant de visiter sa fille, il va retourner à Trianon, il descend les quelques marches du côté droit du château. Le temps est couvert et la lune se lève. Donc, il y a suffisamment de clarté à travers les nuages. Et la lumière des torches est aveuglante. Vous avez tous les gardes qui sont là, qui grelottent et qui tiennent les torches pour accompagner Sa Majesté depuis le carrosse, depuis la sortie du château, les marches jusqu'à son carrosse. Et il y a une haie des gardes qui retient la foule amassée derrière. Pourquoi y a-t-il la foule? Parce que c'est comme ça à Versailles. Le roi est public. Les gens voient le roi. Le roi n'est pas dans une tour d'ivoire. Il est accessible. Je ne dis pas que tout le monde peut venir lui taper sur l'épaule, et loin s'en faut, mais disons qu'il est accessible et que la foule est là. Et un personnage fend la haie des gardes. Il fend la haie des gardes et il n'est pas arrêté, parce qu'il n'y a pas de raison non plus de l'arrêter. C'est un grand homme, il est assez grand, je pense qu'il devait mesurer quelque chose comme 1m78, ce qui n'était pas très très courant à l'époque, parce que notre espèce a grandi hein, depuis une cinquantaine d'années. Donc 1m78 à l'époque, c'était déjà être assez grand. Incidemment, Louis XVI faisait 1m90, hein, mais ça c'est... Il faut le savoir. Voilà. C'était pas du tout courant. Donc un grand bel homme fend la haie des gardes et il se jette sur le roi et il le frappe dans le dos. Là, le roi se retourne. Alors le roi trébuche, il fait trois pas en avant, il trébuche, il réussit à se redresser, il passe la main dans le dos et il trouve qu'il y a du sang. Mais il dit, mais
quelqu'un m'a frappé, c'est cet homme-là. Et plusieurs personnes ont été témoins qu'au moment où le roi va croiser le regard de Damien, Damien le regarde d'un air furieux. Une espèce de regard de haine. Évidemment, tout le monde se précipite sur le malheureux Damien. Enfin, en attendant, c'est pas lui le malheureux, c'est lui l'agresseur. Le roi dit qu'on ne lui fasse pas de mal. Hop, demi-tour tout. Il retournera à Trianon un autre jour. Le roi remonte dans ses appartements et on arrête évidemment Damien. On le fait entrer dans la salle des gardes. La salle des gardes est tout de suite à droite au rez-de-chaussée, à trois pas de là où a eu lieu l'attentat. Il est saisi par les gardes. On le déshabille, on le met tout nu. Et on l'approche ses pieds du feu et on torture. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on torture? Quel est le complot? Qui t'a armé? D'abord, qui es-tu? C'est la première question, mais surtout, qui t'a armé? Où sont tes complices? On ne peut pas imaginer qu'un homme seul ait pu faire une chose pareille. Un attentat contre le roi, c'est forcément un complot. Et c'est logique. Je veux dire, c'est pas aberrant de l'imaginer, d'autant que, signalons, la France est en guerre. C'est le début de la guerre de 7 ans. Ça fait un an que la France est en guerre. Donc un attentat contre le roi d'un pays en guerre, c'est quelque chose qui soulève le questionnement de savoir s'il n'y a pas des gens derrière. Bon. Donc on le tourmente dans la salle des gardes et à un moment donné, il crie « Dites à Monseigneur le Dauphin de prendre garde à lui ». Et hop, instantanément, la torture s'arrête. Qui, quoi On apprendra par la suite, et c'est tout à fait plausible, qu'il a dit ça pour qu'on arrête de le torturer, simplement. Parce que, à vous, quand il dit « Monseigneur le Dauphin », ah, on tient quelque chose, et à ce moment-là, on arrête. Donc, on retiendra rien d'autre de cette mise en garde. Faites que Monseigneur le Dauphin fasse attention à lui. Donc, Monseigneur le Dauphin, c'est le père du futur Louis XVI. Hein. C'est le grand-fils c'est le fils du roi. Le roi n'a que des filles, sauf ce dauphin-là, qui malheureusement ne régnera pas. Je pense que ça aurait été également certainement un grand personnage, mais bon, il est mort sans pouvoir régner. Donc, qu'est-ce qu'on veut savoir de Damien? Au moment où on le saisit, on lui dit « Qui a armé ton bras ?» et « Pourquoi as-tu fait ça ?» Voilà, pour le compte de qui. Alors, qui, ça veut dire qui d'autre? Qui d'autre que toi? Qui est derrière? Quels sont les autres membres du complot? Et surtout, pourquoi, c'est-à-dire pourquoi, pour qui? L'époque est à la guerre ouverte entre, d'une part, le Parlement et l'autorité royale et ecclésiastique. C'est l'époque où les parlements, c'est-à-dire les juges supérieurs, les juges des cours d'appel, que sont les parlements, sont en guerre ouverte. Mais depuis l'arrivée de Louis XV à la royauté, depuis la mort de Louis XIV, le 1er septembre 1715, jusqu'à la Révolution française, les juges seront en guerre ouverte contre l'autorité royale. C'est comme ça, ça sera l'objet d'une autre conférence si vous voulez. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais tout le règne de Louis XV va être empoisonné par ça. Or, il se trouve que les juges qui font la guerre à l'autorité royale, alors non pas, ils veulent partager la majesté royale. Ils veulent partager le pouvoir avec le roi. Ils veulent avoir leur mot à dire. Ils se considèrent comme susceptibles de censurer le roi et de partager avec lui l'exclusivité qu'a le roi de faire les lois. Le roi est seul législateur en son royaume et le Parlement voudrait partager ce pouvoir-là. Bon, donc, est-ce que les parlementaires pourraient, à partir du moment où la guerre est ouverte, pourraient-ils avoir eu intérêt à armer le bras de Damien? Bon, ça ne tient pas debout. Il est bien évident que l'intérêt des parlementaires, c'était de continuer comme ça. Mais peu importe. Là, il existe une autre raison d'imaginer un complot. C'est la guerre que mènent les jansénistes et les jésuites. Or, il se trouve que les jansénistes et les magistrats, ce sont les mêmes. Alors, tous les jansénistes ne sont pas juges, tous les juges ne sont pas jansénistes, mais ceux qui empoisonnent le règne de Louis XV, ce sont les juges jansénistes. Et ils font la guerre à qui? Aux jésuites. Les jésuites sont les tenants du catholicisme pur et dur qui tient son autorité de Rome, et les jansénistes sont des gens, sont des sortes de protestants qui n'ont pas rompu avec Rome, qui estiment que tout est relatif, qu'on n'a pas besoin d'intermédiaires, qu'après tout, moi, j'ai bien le droit d'en juger, que de toute façon, il y a les élus à la naissance et il y a les autres. Voilà, c'est une forme, le jansénisme ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup au protestantisme. Le protestantisme est incompatible avec la royauté française, avec l'absolutisme royal, avec la royauté française, ça n'est pas possible. Il y a à la fois un relativisme
et une prédestination, un élitisme dans le protestantisme et dans le jansénisme qui les rendent incompatibles avec l'esprit de la royauté à la française. Voilà. Donc, la guerre entre jansénistes et jésuites bat son plein. Est-ce que l'un des deux partis aura armé le bras de Damien? Voilà, ce sont les questions qu'on se pose. Donc, la question, est-ce que c'est les jésuites ou les jansénistes, ça va faire le tour du royaume. L'inénarrable Voltaire va dire, est-ce les jansénistes qui ont armé le bras de Souchou? Est-ce les jésuites? Voilà. On ne croyait ces gens que ridicules, on voit qu'ils sont dangereux et coupables. Pour Voltaire, du moment que les jansénistes et les jésuites se font la guerre, il y a forcément un des deux ou les deux à la fois qui ont armé le bras de l'assassin. Vous allez voir que c'est complètement autre chose. Voilà. Donc, on a arrêté Damien, on va l'emmener à la Jaule. La Jaule n'est pas à proximité immédiate du château. Alors j'ai retrouvé, j'ai visité Versailles, j'ai retrouvé l'endroit où on l'a arrêté. C'est vraiment un quartier un peu plus éloigné. Et les témoignages affluent sur ce qui s'est passé. Alors, je ne veux pas vous raconter tous les témoignages, il y en a vraiment des dizaines. Il y en a deux qui méritent qu'on s'y arrête. Vous avez le maréchal-duc de Richelieu, alors arrière-petit-neveu de l'autre. Quand on dit Richelieu au XVIIIe siècle, c'est celui-là, évidemment, puisqu'il est l'arrière-petit-neveu. Mais j'ai tellement l'habitude du XVIIIe siècle que quand je parle de Richelieu, pour moi, c'est toujours l'ami de Voltaire, l'intime du roi, le grand libertin, enfin voilà. Donc, Richelieu... en l'occurrence le maréchal-duc, va témoigner pour expliquer qu'au moment de l'attentat, il s'est précipité, il a dit aux gardes, faites ceci, faites cela, et arrêtez-le. Ensuite, il a accompagné. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a tout fait. Le maréchal-duc de Richelieu, c'est lui qui a donné tous les ordres. Alors, c'est complètement ridicule. Quand vous regardez le déroulé par les autres témoignages de ce qui s'est passé, chacun a simplement fait son travail, les gardes, les valets de pied, chacun a fait son job. Et le maréchal-duc de Richelieu se pousse du col en expliquant, et j'ai donné l'ordre que ci, j'ai donné l'ordre que ça. On voit le côté un peu ridicule, un peu crétin de ces grands personnages qui ont besoin pour la postérité de montrer à tout le monde qu'ils sont puérils, enfantins, et voilà. C'est-à-dire que si on avait des doutes, là, avec des témoignages comme ça, on a des certitudes. Il y a un certain Brou de Vareille qui assure, et il l'a mis dans son témoignage, et le témoignage a été repris par des auteurs que je ne nommerai pas, parce que c'est pas bien de dire du mal de son prochain, mais il y a vraiment des gens qui ont retenu ça. Il y a un certain Brou de Vareille qui a raconté qu'il avait assuré à Damien que Damien lui aurait assuré qu'il voulait mourir dans les tourments comme notre Seigneur Jésus-Christ, et que ce Brou de Vareille lui aurait dit « Si tu dénonces tes complices, on te fera la grâce de t'accorder la belle mort que tu désires. » C'est-à-dire que Damien a réclamé d'être supplicié. Je ne sais pas si vous imaginez le degré de crétinisme et d'aberration d'un témoignage de ce genre. Ce monsieur raconte, et il y a des gens pour dire « Damien a demandé le supplice qu'on lui a fait, il a été exaucé. » C'est évidemment complètement imbécile de dire des choses pareilles. Mais ce Brou de Vareille, vous les racontez, vous savez, il se retrouve devant le magistrat instructeur, alors il brode, il se laisse embarquer dans leur délire, et puis en face, vous avez un greffier qui note tout, et puis qui va rapporter ça à la postérité. Donc c'est pas à l'honneur de ce Brou de Vareille que de faire croire que il a promis à Damien un beau supplice en échange de la vérité, c'est n'importe quoi. On a transporté Damien dans les geôles sous la responsabilité de ce qu'on appelle la prévôté de l'hôtel du roi. C'est-à-dire que vous avez une juridiction qui suit le roi partout où il va. Quand il est à Versailles, cette juridiction est à Versailles, et quand le roi est en campagne, la juridiction le suit. S'il arrive quelque chose dans l'entourage du roi, c'est la prévôté de l'hôtel du roi qui va s'occuper d'en juger, d'en connaître. Voilà. Donc, il est mis sous la responsabilité du grand prévôt de l'hôtel du roi, et le roi n'a rien. Le roi n'a rien, on est immédiatement rassuré. L'estafilade, il faisait tellement froid qu'il avait une pelure et deux pelures et trois pelures, et puis des chemises les unes sur les autres avec des plis dans les chemises. Le couteau, je l'ai eu entre les mains, le couteau de Damien, parce que le prince de Croy qui a fait la reconstitution a acheté rigoureusement le même 15 jours après l'attentat. Donc le couteau d'origine a été brûlé sur le bûcher où on a brûlé son cadavre, mais j'ai retrouvé rigoureusement le même, et j'ai eu ce couteau entre les mains, ça me fait une émotion absolument terrible, d'un couteau avec deux lames. Vous avez une lame qui est à peu près grande comme ça, un peu comme une lame à canif, et une autre toute petite, grande comme ça, et c'est la petite dont il s'est servi, il a traversé, il a
peine, mais une estafilade de rien du tout. Le roi a juste un tout petit peu saigné et il n'y avait rien du tout. Et voilà, on a pu être rassuré sur l'état du roi immédiatement. Voilà. Alors, qui c'est ce Damien? Qu'est-ce que c'est que ce type qui entre dans l'histoire comme ça, qui sort de l'anonymat pour entrer dans l'histoire et dans la postérité pour longtemps encore? Eh bien, c'est un fils de paysan de Monchy-Breton. Voilà, Monchy-Breton, je suppose que si vous êtes du coin, vous savez que c'est pas loin. Ses parents, son grand-père, ses grands-parents, enfin sa famille, ont été ruinés à la fin du règne de Louis XIV. Parce que les guerres de Louis XIV, les guerres louis-quatorziennes, ont été abominables pour le peuple. Bon, il s'y est ajouté à ces guerres des problèmes terribles de le grand hiver qui a été absolument abominable, enfin des problèmes climatiques qui se sont joints aux problèmes militaires. La région a énormément souffert des dernières guerres de Louis XIV et la famille de Damien a été ruinée. Alors comment devient-on ruiné quand on est paysan? Eh bien, on va voir quelqu'un pour emprunter, pour régler ce qu'on doit, et au moment de rembourser, on ne peut plus rembourser, donc on est saisi et puis on se retrouve à travailler chez les autres. Donc c'est ce qui est arrivé à la famille de Damien. Donc Damien, il s'appelait Robert François. Robert François, c'est son nom de baptême. Son nom d'usage, c'est François. C'est François, et c'est pas Robert François, dis-moi Robert François. Son prénom était François. Donc pour l'état, enfin c'est pas l'état civil, pour son registre de baptême, il est enregistré comme Robert François, mais son nom, pour tous les gens qui l'ont fréquenté, pour tous ses amis, pour sa femme et sa fille, il est François. Voilà. Donc il est né en 1715, il a donc 42 ans au moment de l'attentat. Il est marié à une Irlandaise d'origine, Elisabeth. Donc des Irlandais, au moment du grand malheur qui a fondu sur l'Irlande catholique à l'époque de la Révolution anglaise, là des Irlandais sont venus se réfugier en France et ils ont fait souche. Et Elisabeth, qui est devenue l'épouse de François, est d'origine irlandaise. Donc il l'a épousée quand il est venu à Paris. Et elle a 7 ans de plus que lui. C'est une femme douce et jolie, dont il a eu une fille qui s'appelle Marie. Voilà. Le père de François est portier à Arques. Arques, voilà, il y a une espèce de forteresse à Arques. Donc le père est portier, portier, on peut dire gardien de prison. Enfin, j'ai essayé de retrouver encore les traces du père de Damien. Donc je suis allé à Arques, j'ai essayé de retrouver les lieux. Il y a effectivement toujours un château, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. En tout cas, c'est sûr que le père de François, qui s'appelle Pierre, devenu vieux, a trouvé cette place pour terminer ses jours à la fois en travaillant, sans peser sur ses enfants et en faisant un travail pas trop pénible. Voilà. Donc au moment de l'attentat, il est à Arques. François a également un frère qui s'appelle Antoine, qui est peigneur de laine à Saint-Omer. Donc Saint-Omer, Arques, c'est tout à côté. Et il a également une sœur qui s'appelle Catherine, une petite sœur. La petite sœur Catherine a une caractéristique très intéressante à connaître pour comprendre le siècle. Elle est maîtresse charpentière. Alors, est-ce que vous imaginez qu'après la Révolution française, une femme pouvait être maîtresse quelque chose, à part maîtresse de quelqu'un? Eh bien, c'était comme ça sous l'Ancien Régime. Le maître d'une profession, en l'occurrence la profession de charpentier, à sa mort, sa veuve hérite de son titre et Catherine Damien, qui gardait le nom de son père, était chef d'entreprise, d'une entreprise de charpente. Elle dirigeait une entreprise de charpente, elle avait des ouvriers qui lui obéissaient, elle signait des traites, elle était chef d'entreprise. Petite entreprise, mais elle était chef d'entreprise. On ne retrouvera pas ça après la Révolution. C'est-à-dire que ça, c'était le mode de fonctionnement des corporations. C'est comme ça que ça marchait sous l'Ancien Régime. Et Catherine Damien était maîtresse charpentière. Voilà. Ils ont également un frère qui est domestique à Paris qui s'appelle Louis. Alors, Catherine, donc, est veuve. C'est pour ça qu'elle est maîtresse charpentière. D'ailleurs, quand elle se remariera, elle ne sera plus maîtresse charpentière, mais qu'elle se remariera avec un maître et elle passera le flambeau, elle passera le témoin. Mais si elle était restée veuve sans se remarier, elle serait restée maîtresse charpentière jusqu'à ne soit renoncer à le faire ou jusqu'à sa mort. Voilà. Donc, François et Elisabeth ont une fille. Antoine a plusieurs enfants.
Antoine, peigneur de laine à Saint-Omer, a plusieurs enfants. Catherine, également, a deux enfants. Et Louis, qui est domestique à Paris, n'a pas d'enfants, mais ils sont tous mariés. Voilà. François est arrivé comme domestique à Paris en 1735. Il avait 20 ans. Pourquoi domestique? Eh bien, parce qu'il n'a pas voulu. C'était un peu une tête de cochon. Son père a essayé de le faire étudier, il ne voulait pas. Il l'a confié à un grand-oncle qui a essayé de faire quelque chose de lui. C'était une mauvaise tête. Il avait un mauvais caractère. Un jour, il a dit, ben non, je vais partir. J'ai trouvé une place de domestique. Il est parti suivre un militaire. Alors, Voltaire racontera qu'il a été militaire. Il n'a jamais été soldat. Il était domestique d'un militaire, c'est tout. Donc, il est allé à la guerre comme domestique. Il courait derrière son maître. Et il est revenu de la guerre, il s'est enfui. Probablement, il a dû voir des choses tout à fait traumatisantes. Il s'est enfui et il est revenu sans prendre son congé de son maître. Et son gentil grand-oncle a été obligé de payer un dédit au maître pour le libérer. Parce qu'un contrat, c'est un contrat. On ne rompt pas un contrat comme ça sans compensation. Et il est à peu près avéré que François, venant de la guerre, il s'est brisé quelque chose dans son caractère. Il a probablement vu des atrocités dont il s'est jamais remis. Donc, c'est un garçon joyeux, c'est un garçon qui a énormément de joie de vivre et de goût de la vie, mais il a des moments d'accablement où véritablement on le sent accablé d'angoisse. Voilà. Il est arrivé donc à Paris en 1735 et il est rentré comme domestique chez les jésuites. À partir du moment où il n'a pas voulu apprendre un métier, ben il ira servir. Mais ça lui plaît bien de servir. Et il sert bien. C'est un bon domestique. C'est-à-dire qu'il est précis. D'abord, il est propre sur lui. Damien a une caractéristique. Il est très net. Il est très, très, très propre. Il est toujours recherché. Le chapeau bien comme il faut. Le catogan comme il faut. Il paraît qu'on l'a déjà vu passer devant une glace. Hop, comme ça. Il aime bien être propre et net. Il a une jolie femme, probablement très amoureuse de lui. Donc il veut bien présenter, et il arrive chez les jésuites, et où il est pris à l'origine comme cuistre. Alors c'est quoi un cuistre? Alors pourquoi dit-on d'un cuistre, d'un pédant, que c'est un cuistre? Eh bien un cuistre, c'est un employé de cuisine. Mais c'est un employé de cuisine qui, en servant les petits messieurs au collège Louis le Grand, entend les conversations et peut se donner un vernis de culture. C'est ça un cuistre. C'est quelqu'un qui, travaillant dans les cuisines, est suffisamment proche de ceux qui ont du savoir pour faire croire qu'ils en ont eux-mêmes, voilà, ou pour rapprocher des pouvoir accaparer et se servir de bribes du savoir des autres. Donc il entre chez les jésuites comme cuistre, et au moment où il rencontre Élisabeth, il ne résiste pas, il l'épouse. Or les domestiques de chez les jésuites, les domestiques de ces petits messieurs, doivent être célibataires. C'est la règle, c'est comme ça. Ils le savaient. En entrant chez les jésuites, on a dit, nous ne prenons pas de gens mariés pour travailler avec les élèves. Vous êtes mariés, c'est la porte. Voilà. Donc c'est pareil, c'était le contrat. Il n'a pas respecté le contrat, il s'en va. Il reste en très bon terme avec les jésuites. Signe qu'il avait une bonne réputation justifiée. On l'a renvoyé parce qu'il n'a pas respecté le contrat, mais il est parti pour une raison extrêmement valable. Il a rencontré la femme de sa vie, il l'a épousée, donc il va aller chercher du travail ailleurs. Et sa carrière commence à ce moment-là, assez rapidement, en quittant les jésuites, il va rentrer chez des magistrats, et des magistrats jansénistes. Voilà, donc il quitte les jésuites pour entrer chez les jansénistes. Alors c'est un peu la façon dont fonctionne la vie des domestiques à l'époque. C'est comme, il n'y a pas de corporation des domestiques, mais il y a une espèce d'amicale. C'est-à-dire que les domestiques se trouvent des places les uns aux autres. C'est un métier extrêmement solidaire. D'ailleurs, je crois que tous les métiers de l'Ancien Régime sont solidaires, mais là où il y a une corporation, la solidarité, elle est inscrite dans le marbre. Alors que chez les domestiques, c'est plutôt une coutume, c'est une façon de faire qui n'est inscrite nulle part, mais qui fonctionne très bien. Et à partir du moment où vous êtes arrivé chez un magistrat et que vous êtes bien vu, si pour une raison ou pour une autre, vous cherchez une place ailleurs, les domestiques des magistrats en question vont vous trouver autre chose. Et là, c'est là qu'on peut dire que Damien a commencé une carrière de valet des magistrats et des magistrats jansénistes. Donc il est passé de l'un à l'autre. Il va connaître les aléas du métier. Les aléas du métier, c'est qu'il y a des périodes où, quand le Parlement est en grève, par exemple, eh bien, il n'y a plus d'embauche. Donc on se retrouve au chômage. Et ça, c'est très dur. C'est très dur, les allocations de chômage. Quand vous êtes incorporé, quand vous êtes dans une corporation, vous arrivez à en sortir. Quand vous n'êtes pas dans une corporation, le chômage, c'est très, très dur.
C'est très très dur. Et on a vu Damien essayer de vendre des manchettes sur le Pont Neuf, enfin faire n'importe quoi pour essayer de gagner sa vie et connaître l'humiliation de gagner moins que sa femme. Alors, Elisabeth travaillait, bien sûr. Elisabeth, elle avait une place de cuisinière. Elle était cuisinière. Je ne sais pas comment ils ont fait pour élever leur petite Marie en même temps qu'ils travaillaient tous les deux, mais toujours est-il qu'ils ont quand même réussi à l'élever. Elle a été à l'école, elle a appris, elle est devenue enlumineuse. Et Elisabeth s'est retrouvée propriétaire, alors je ne sais pas trop comment, elle s'est retrouvée propriétaire d'une chambre dans un cloître. Il est vraisemblable que Elisabeth a été une excellente cuisinière d'une dame riche qui a dû lui faire cadeau. Vous savez, les maîtres ne versaient pas d'indemnité, mais ils pouvaient faire des cadeaux. Ils pouvaient coucher un domestique sur testament. Un domestique qui était bien vu pouvait filer sa pelote et se retrouver propriétaire d'un petit pécule. Ça a été le cas d'Elisabeth. Elle s'est retrouvée propriétaire d'une chambre. Je ne sais pas d'ailleurs, je ne me souviens pas si c'était elle qui était propriétaire ou le ménage. Enfin, toujours est-il qu'ils ont réussi quand même à s'installer un petit peu. Et quand François s'est retrouvé au chômage, il était dépendant d'elle, quoi. Mais il a toujours été, quand il était en situation d'avoir de l'argent, il n'a jamais négligé d'en donner à sa femme pour l'éducation de la petite et puis pour tenir le ménage, quoi. Donc les domestiques ne vivaient pas ensemble tout le temps. Ils se retrouvaient, bien sûr, ils se retrouvaient tout le temps, mais souvent ils étaient séparés. Vous avez des domestiques qui étaient obligés de coucher là, chez leur maître, et puis pour voir leur épouse, il fallait qu'ils s'échappent. Il fallait qu'ils trouvent des moyens. Enfin, c'était pas une vie drôle, la vie de domestique. Ça pouvait être très bien, mais c'était vraiment pénible. Et je vois, par exemple, à un moment donné, on pose la question à Damien, mais pourquoi avez-vous laissé tomber pourquoi n'avez-vous pas voulu suivre votre maître qui est parti dans le Maine? Écoutez, le maître, il partait dans le Maine. Et puis, Elisabeth et Marie, elles étaient à Paris. Oui, c'est un argument, ça aussi, La mobilité, c'est bien joli, mais quand on a une famille, on veut rester avec. Et c'était le cas de François, qui a été certainement un bon époux. Je pense que François a été un bon époux et certainement un bon père. Voilà. Donc, François a connu le chômage, d'autant plus que le Parlement, un de ses maîtres, était un des dirigeants de la cabale janséniste contre le roi. Et un jour où le roi s'est fâché et où il a envoyer les dirigeants de la cabale, enfin, les leaders de la révolte parlementaire en prison, un des leaders, c'était son maître. Donc un matin, on a tambouriné à la porte d'un de ses maîtres, il a ouvert, vous avez 10 minutes pour partir, et puis au bout de 10 minutes, on a dit ça au maître, et une fois que le maître était parti, il s'est retrouvé avec son baluchon sur le carreau. Voilà, c'est comme ça la vie des domestiques. Donc il a connu ça, voilà. Cela dit, un bon domestique, il trouvait toujours du travail. Donc il a fini toujours par trouver du travail. Voilà, donc revenons. Alors, une chose à savoir, c'est que 6 mois avant l'attentat a eu lieu en janvier, donc 6 mois avant l'attentat, c'était en 6-7 mois, c'était en juillet, François avait perdu un emploi, il en avait retrouvé un autre et il avait volé son maître. Alors, je ne sais pas si c'est le moment de vous dire... Oui, enfin, je peux vous dire dans quelles conditions. Un grand-oncle de François était mort en Artois. Il avait besoin de se rendre en Artois pour régler le problème de la succession. Il n'avait pas le premier sou. Donc, de toute évidence, il n'a pas dit comme ça, mais par reconstitution, on peut arriver à cette conclusion. Il a retrouvé un emploi chez un maître qui l'a enfermé une après-midi entière en lui disant « Vous m'attendrez, je reviens ce soir » et en laissant une cassette avec de l'or, une cassette qui n'était pas fermée avec de l'or dedans. Il a pioché. Il n'était tellement pas voleur, c'est-à-dire que d'abord c'était un très mauvais voleur, mais il n'avait tellement pas la mentalité d'un voleur que sa famille était tellement outragée de ce geste que une des deux explications que j'ai trouvées à ce geste était qu'il s'est dit bon, qu'une fois que j'aurai retrouvé, que j'aurai touché mon héritage, je le rendrai. Il a dû croire à un truc comme ça. Il y avait également autre chose, et ça j'y reviendrai tout à l'heure, mais je peux le dire maintenant. Au moment, chez son avant-dernier maître, une servante lui avait tiré son horoscope et lui avait dit qu'il terminerait mal. Et il vivait persuadé qu'il allait mal tourner. Alors quand vous êtes persuadé que vous allez mal tourner, et que vous y croyez, c'est l'occasion qui fait le larron. Et voilà. Donc 6 mois avant son geste contre le roi, Damien avait volé son maître. Il était
passible de la peine de mort. Donc il était perdu. L'homme qui a attaqué le roi était un homme, était un individu recherché pour vol et passible de la peine de mort. Voilà, c'est quand même important de le savoir. À l'annonce, alors, au moment où il a été arrêté, son signalement a circulé dans les couloirs de Versailles. Et il y a plusieurs personnes qui ont dit, ça serait pas Damien, vous savez, il est grand, il est comme ça. Ça serait pas Damien, ça doit être Damien. Oui, oui, ça doit être le domestique de Marigny. Oui, 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 oui. Il y a des gens qui l'ont reconnu. Ça veut dire qu'il était allé à Versailles, qu'il était connu à Versailles, et à ce point que, sans le voir sur la simple description de sa personne, plusieurs personnes ont pu le reconnaître sans se tromper. Je vais y revenir. La France entière s'est abîmée en larmes. L'attentat contre le roi a été un choc pour tout le pays. Alors la nouvelle est arrivée à Paris en trois quarts d'heure, le temps qu'il fallait pour que les premiers chevaux, vous savez, il y a 15 km entre Paris et Versailles, hein, c'est pas plus que ça. Et la nouvelle est partie, elle a atteint les confins du royaume à la vitesse d'un cheval au galop, et tout le monde était abîmé en larmes. Mais ce qu'il faut savoir, quand même, tout particulièrement, c'est que au moment où la nouvelle de l'attentat arrive au Parlement, alors l'attentat a eu lieu à 6h30 du soir, admettons que les messieurs, les juges, et puis les premiers aient pu être au courant sur les coups de, disons, 8-9 heures du soir, le temps de tous se prévenir les uns les autres, d'envahir les valets et tout, ils se sont retrouvés au milieu de la nuit, et ils ont dit, comme un seul homme, il faut que nous jugions Damien. Alors, c'est quand même intéressant, pourquoi? Parce que les juges du Parlement n'ont pas à juger un attentat dans l'entourage du roi, c'est la prévôté de l'hôtel qui doit le faire. Mais surtout, ce qui est intéressant à voir, c'est que ces messieurs sont en grève. Ils ont tous arrêté le travail. Le Parlement ne fonctionne plus. Il y a quelques juges qui ne se sont pas mis en grève. C'est sur eux que le roi va s'appuyer. Mais le Parlement est en grève. Il est en guerre contre le roi depuis des mois, des semaines, des mois et des années. Et au moment où un attentat... Il faut que ce soit nous qui jugeons. Ah bon, à quel titre? Ah ben écoutez, c'est nous, il faut absolument que ce soit nous. Ils ont rédigé à 3h du matin, par un froid polaire, une supplique pour obtenir du roi qu'il leur accorde de juger. Ils ont traité le roi comme un chien depuis des mois. Et au moment de l'attentat, ils s'aplatissent, mais vous savez, rampant, en disant « Majesté, 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 accordez-nous de juger Damien ». Alors, vous avez compris, ils le connaissent tous. Tous les juges connaissent Damien. Damien a été domestique de plusieurs magistrats. Il a accompagné ses maîtres au Parlement. Tout le monde le connaît parce qu'il est grand, parce qu'il est beau, parce qu'il a servi les plus grands. Et que, voilà. Donc tout le monde le connaît. Et il est hors de question pour ces messieurs que Damien soit jugé par qui que ce soit d'autre que par eux. Quelle raison le roi peut-il avoir d'accorder ce qu'ils veulent aux juges? Rien, aucune. Allez vous faire voir. Attendez. Vous me traitez plus bas que terre. Or, le roi ne dit pas ça. Il dit, je verrai. Donc, au moment où les juges vont s'aplatir pour avoir la connaissance de l'instruction et du jugement, ils savent que le roi n'a rien. Le roi n'a rien. La blessure n'est pas grave, le roi n'est même pas malade. 10 minutes après, on lui met un emplâtre et puis c'est tout. Mais leur attitude ressemble à de la panique. Pourquoi sont-ils dans cet état-là? À Versailles, le roi est complètement déprimé, mais véritablement déprimé. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce qu'il me déteste comme ça? Il a demandé plusieurs fois les derniers sacrements. Alors, il dit, écoutez, Majesté, vous n'avez rien. Si, il voulait absolument. Alors, en plus de ça, son confesseur n'était pas là. Il a fallu le chercher en attendant que le confesseur arrive de Paris. On en a pris un autre. Il s'est confessé au moins trois fois de suite. Enfin, cet attentat a déclenché... chez le roi, un abattement absolument terrible, et dans la magistrature, un véritable vent de panique. Voilà. Alors, on a appris, donc le roi, on interdit d'approcher le roi, sa maîtresse, Madame de Pompadour, au moment où elle arrive. Non, pas vous, madame, clac. Et on l'a, alors qu'elle est vraiment, vraiment du premier cercle. Madame de Pompadour est la maîtresse du roi depuis une quinzaine d'années, j'espère que je ne dis pas de bêtises, enfin si je dis une bêtise, elle n'est pas de beaucoup. Elle fait vraiment partie du premier cercle, et là, c'est non. Là, c'est la reine qui reprend c'est l'épouse qui reprend son rôle. Madame de Pompadour ne passera pas.
Donc elle n'approchera pas le roi, elle se vengera, elle s'en tire toujours, elle s'en tirera toujours la Pompadour. Et il y a une deuxième personne à qui on interdit d'approcher le roi, c'est Marigny. C'est qui Marigny? C'est le frère de la Pompadour. Voilà, donc ni madame ni monsieur ne pourront approcher du roi. Alors, on a appris que Damien est originaire d'Artois, parce qu'il l'a dit, parce que d'où venez-vous? En plus de ça, on a retrouvé son chapeau. Dans le chapeau, il y avait une marque. La marque, c'était quoi? C'était un chapelier. J'ai même retrouvé la rue du chapelier. Hein. Je ne connais plus ça par cœur, mais c'est ici, c'est dans le coin. Donc, on sait qu'il est originaire d'Artois. Et il y a un monsieur qui s'appelle le prince de Croy, qui est un personnage absolument étonnant. Le personnage le plus émouvant de toute cette histoire et de tous les personnages que j'ai croisés depuis que je m'intéresse au siècle, c'est certainement le plus propre, le plus pur, le plus émouvant. C'est un grand, grand, grand monsieur. Il se trouve qu'il est prince. Il aurait pu être domestique. Il était prince, voilà. Et il est commandant militaire de la région d'Artois. Donc, on va le chercher. On lui dit, voilà, vous allez enquêter. Alors lui, ça fait des années qu'il essaye de faire quelque chose de bien pour se faire valoir aux yeux du roi qu'il aime à la passion. Donc il va, c'est lui qui va enquêter pour refaire l'itinéraire qu'a fait Damien entre le moment où il est arrivé en Artois au mois de juillet et le moment où il a commis son attentat. Donc c'est le prince de Croy qui va faire l'enquête, une enquête remarquable de précision, de concision, d'humanité. C'est absolument magnifique. Le prince de Croy est un grand personnage. Si vous voulez lire, si vous avez le goût de l'histoire, parce que c'est pas du roman, hein, c'est vraiment de l'histoire, mais si vous avez le goût de l'histoire, trouvez, et on peut trouver ça gratuitement maintenant en PDF, hein, sur Internet, allez chercher les mémoires du prince de Croy. Vous allez voir comment on vivait à l'époque, et vous allez voir ce que c'est qu'un grand personnage d'humanité, de noblesse, de générosité, voilà, un grand aristocrate de l'époque, le prince de Croy. Il fait tout à fait honneur à sa classe et à son rang. Voilà. Et il n'y en a pas beaucoup dont on peut dire la même chose dans l'entourage du roi. Vous pouvez me croire. Il y avait vraiment des gens de très, très, très petites vertus et de très, très petites qualités humaines. Voilà. Donc, le prince de Croy, avant de partir en Artois, donc l'attentat a eu lieu mercredi, le prince de Croy est nommé le jeudi, il doit aller voir Damien le vendredi, il part le samedi. Et il envoie son premier rapport le dimanche soir. Alors, comment il fait? Moi, je me suis demandé, je lui ai dit, il n'y a pas le téléphone, comment il fait? Eh bien, avant de partir, il envoie des émissaires au grand galop qui vont aller voir les représentants les représentants du roi, enfin les administrateurs, les intendants, les subdélégués, enfin, et il leur pose un certain nombre de questions. Et au moment où il arrive le lendemain, les premières réponses sont arrivées et il peut envoyer son premier rapport qui repart. C'est remarquable, c'est remarquable. Ça demande beaucoup, beaucoup d'organisation, ça demande beaucoup de minutie, ça demande extrêmement de sérieux. Et le travail du prince de Croy, c'est étonnant. Donc il envoie son premier rapport le dimanche soir et le premier rapport arrive le lundi matin et les juges peuvent commencer à avoir des informations sur qui est Damien, où est-ce qu'il habitait, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et il va faire ça comme ça pendant un mois ou deux, je pense. Et il va faire un travail absolument remarquable, étonnant. Avant de partir, il va à la geôle et il est frappé, en voyant Damien, de voir qu'il n'est pas fou. Et l'information circule. Il y a le marquis d'Argenson qui tient son journal et qui tient le journal de toutes les informations qu'il pioche à droite et à gauche, qui dit « Les gens qui l'ont vu disent qu'il n'est point folle. » Il n'est point folle. Donc, le prince de Croy va dire « Il est posé, il est beau. » On voit bien que c'est un fanatique dans ce sens que il est apparemment il a été pris d'une espèce de, disons qu'il a fait montre d'un acte de folie, mais pas d'un homme fou, si vous voyez la nuance. Hein, il a été pris d'une espèce de folie passagère, mais l'homme à qui il parle est censé, il répond calmement aux questions, sagement. Il est apparemment un homme qui a une morale, qui lui dit « Est-ce que vous aimez le roi ?»« Oui, j'aime le roi. »« Vous êtes artésien ?»« Oui, le roi n'a pas de meilleur serviteur, n'a pas de meilleur sujet que les artésiens, et j'en suis, etc. » Enfin, ce genre de questions-réponses comme ça, qui impressionne beaucoup le prince de Croy. Il dit « Ce Damien, c'est... » À un moment donné, il lui dit « Mais vous avez étudié ?» Non, non, il n'a pas étudié, mais il parle bien, il a un parler correct. Il écrit bien aussi, j'ai vu l'écriture de Damien. Donc il se dit, c'est pas un énergumène. Je m'attendais à avoir un énergumène, c'est pas un énergumène. C'est quelqu'un de posé. Voilà. Or,
toute l'histoire retiendra que Damien était fou. Cherchez des livres d'histoire ou des encyclopédies qui vous disent en quelques mots qui était Damien, c'était un fou. Alors qu'on savait à l'époque que ça n'était pas le cas. Alors, Voltaire va raconter qu'il était fou. Parce que Voltaire, c'est le menteur professionnel. Et quand vous voulez savoir ce que quelque chose n'est pas, vous regardez ce que dit Voltaire. Du moment que Voltaire dit qu'il était fou, c'est qu'il ne l'était pas. Puisque quand c'est la vérité, Voltaire n'éprouve pas le besoin d'ouvrir la bouche, puisque la vérité, il n'y a pas besoin de lui, d'accord ? Lui, c'est pour les mensonges. Donc, Voltaire va raconter qu'il était fou. Vous pouvez me croire, il ne l'était pas du tout. Qu'il a été pris d'un accès de folie, ça, on est bien d'accord. De toute façon, pour faire un attentat, pour s'en prendre à quelqu'un, il faut être pris d'un accès de folie, même très passagère. Et comme dit l'adage, « Ira furor brevis est », la colère est une courte folie. Et dans un moment de colère noire, on peut effectivement commettre des actes insensés. C'est certainement le cas de Damien. Maintenant, le problème est de savoir qu'est-ce qui a pu le rendre fou de cet instant-là, qu'est-ce qui a pu déclencher une telle colère et qui a déclenché en direction du roi ce regard de haine qu'il lui a envoyé. Le début de l'enquête commence comment ? Anne Leclerc du Brier. Alors Anne, dans l'ancien temps, c'est un nom masculin. Voilà, c'est un prénom masculin. J'ai pas mis longtemps à savoir que dans le temps, c'était un prénom masculin, parce que dès que vous ouvrez un livre d'histoire, vous savez que le grand prévôt de ceci et que le grand sénéchal de ça s'appelait Anne. C'est un prénom masculin. Anne Leclerc du Brier, il est le lieutenant civil et criminel et de police en la prévôté de l'Hôtel du Roi. Le grand prévôt, c'est de Sourche, et Anne Leclerc du Brier est lieutenant civil et criminel. C'est lui qui va interroger Damien. Il a maintenant la responsabilité, et on va trouver, pour savoir ce qui s'est passé entre Damien et Anne Leclerc du Brier, on a les interrogatoires qu'on trouve dans le dossier aux archives. Voilà. Donc, le premier interrogatoire est signé le 5 janvier, donc l'attentat a eu lieu le 5 janvier à 18h30, quelque chose comme ça, ou 17h45. Voilà, non, l'attentat a eu lieu à 17h45 et le premier interrogatoire est signé le 5 janvier à 18h30. Est-ce que vous croyez plausible que trois quarts d'heure se soit passé entre le moment de l'attentat et le moment où Damien, une fois qu'il a été torturé et qu'on l'a emmené dans les geôles ailleurs, etc., et qu'on a fait venir Anne Leclerc du Brier, et qu'on lui a donné l'ordre, etc., est-ce que vous croyez plausible qu'il se soit passé trois quarts d'heure ? Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. C'est impossible. Et d'autre part, on sait, en écoutant, en lisant les récits des uns et des autres, que le prince de Conti, c'est un parent du roi, déplorera publiquement qu'on ait amené Damien à sa geôle le lendemain, jeudi 6, et non pas mercredi 5. Donc, si on l'a emmené le jeudi 6, comment peut-on faire un premier interrogatoire daté du 5 ? Bidouillage. Dès le premier interrogatoire, on a quelque chose à cacher. Et imaginez-vous que la première question, une des premières questions que Leclerc du Brier pose au malheureux Damien est la suivante. À lui représenter qu'il ne nous dit pas la vérité en disant qu'il n'a communiqué à personne son projet, puisqu'il y a lieu de présumer de sa réponse à notre précédent interrogatoire que non seulement il a communiqué, etc., etc. Quel précédent interrogatoire ? Nous sommes au premier interrogatoire et on fait référence à un précédent interrogatoire. Où est le premier interrogatoire ? Il n'est pas dans le dossier. Et il est évident, quand vous ouvrez les pages de ce dossier conservé aux archives, qu'on a retiré du dossier d'Amiens le premier interrogatoire. Le tout premier. On a fait le tri. Et il est bien évident que Damien, au moment où on l'a arrêté, il a dû crier pourquoi il avait fait ça. Mais ça, nous ne sommes pas censés le savoir. Donc, il n'est pas plausible qu'on ait mis 24 heures à l'interroger. On l'a nécessairement interrogé immédiatement. La date est fausse. On l'a donc bien, le premier interrogatoire, le dit premier interrogatoire, n'est pas du 5 mais du 6. Donc, celui du 5 a disparu. Voilà. On ne l'a pas gardé 24 heures sans l'interroger. Alors, il est possible que Leclerc du Brier ait fait son premier interrogatoire officiel le jeudi, admettons. Mais il est évident qu'on l'a nécessairement fait parler du mercredi au jeudi et rien ne subsiste
de ces interrogatoires. Rien. Toutes les pièces originales de ce dossier sont indisponibles aux chercheurs. On n'a que ce qui a été imprimé. Ce qu'on trouve de manuscrit dans ce dossier, c'est un manuscrit sans rature ni paraphe. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a été intégralement recopié. C'est pas difficile de savoir si un document dans un interrogatoire est un original ou un recopié. C'est pas dur, c'est une question de rature. On voit immédiatement, on reconnaît tout de suite un document original. Et il se trouve que non seulement il n'y a aucune rature, mais il n'y a pas non plus de paraphe. Or, Damien est censé signer, paraffer toutes les pages de ses interrogatoires. Ce qui veut dire que nous sommes en possession pour savoir ce qui s'est passé ce soir-là et ce que Damien a dit, nous n'avons que des conjectures. Tous les originaux ont disparu. Voilà. On a retiré toutes les déclarations spontanées de Damien. Voilà. En présence du grand prévôt de l'hôtel, qui s'appelle Monsieur Dessourche, on a nommé deux maîtres de requête pour interroger Damien. Donc vous allez avoir les interrogatoires de Leclerc de Briey, en présence du marquis de Sourche, qui est le grand prévôt, et deux maîtres de requête qui s'appellent Louis-François Maboul et un certain Dufour de Villeneuve, que toutes les sources citent comme ayant été préposés pour aller interroger Damien. Donc vous avez là toute une équipe de Sourche, Leclerc de Briey, Maboul et Villeneuve. Voilà. Ils s'entretiennent avec le chancelier Lamoignon, le chancelier, c'est-à-dire l'équivalent du ministre de la Justice, qui rencontre au roi directement tout le temps. Voilà. Alors, pendant ces interrogatoires, on essaye de lui faire incriminer l'un ou l'autre, on recherche un complot, on n'en trouvera pas. On n'en trouvera pas. Damien défendra ses maîtres jusqu'au bout. Alors, les partisans du roi contre les magistrats jansénistes et les partisans de l'autre vont essayer, suivant là où il va se trouver, de lui dire « Allez, avoue que tes anciens maîtres ceci, avoue que tes anciens maîtres cela. » Il sera loyal à ses maîtres jusqu'au bout de la torture. Jamais, jamais, jamais il ne voudra incriminer ses maîtres. C'était vraiment un homme d'une loyauté totale. Et dans sa geôle, dans une petite place quelque part à Versailles, défilent tous les gens qui viennent et qui le reconnaissent. Et il se trouve que vendredi 7, donc deux jours après l'attentat, il reçoit la visite du comte de Maridor dans sa geôle. Le comte de Maridor était parti quelque part dans le Maine, où il avait son domaine, et il a appris l'attentat, il a fait demi-tour, il a compris que c'était son ancien domestique, et il a été d'ailleurs sommé de le faire, hein, on savait où il était, vous avez été le maître de Damien, rentré immédiatement, et le comte de Maridor s'est présenté à la geôle pour reconnaître son domestique. Damien a pleuré en voyant son maître, il lui a dit qu'il était un bon maître et s'il avait pu rester chez lui, ça ne serait pas passé comme ça. Il avait quitté ce maître parce qu'il y a eu une dispute domestique et il était dans son tort. Donc le maître a dit non, bah écoutez, voilà, moi je me sépare de vous, mais vous êtes certainement un bon domestique, mais voilà, la querelle, il y a eu une dispute, je ne connais pas les tenants et aboutissants, et c'est lui qui a eu tort. Voilà, donc il s'est retrouvé dehors. Donc il pleure en trouvant le comte de Maridor, les retrouvailles sont émouvantes pour les deux. Les deux se vouent une estime réciproque, c'est-à-dire que Maridor dit, mais mon pauvre garçon, comment vous faites ça? Enfin, ça ne vous ressemble pas, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, bon. Et en quittant la geôle, Maridor donne, on ne sait pas à qui, mais une information capitale qui ne se retrouve pas dans l'interrogatoire, qui ne se retrouve pas dans les papiers officiels, mais qu'on va retrouver sous la forme d'un petit papier que j'ai eu entre les mains, une espèce de truc non signé. Le comte de Maridor dépose que, en 1750, son domestique Damien a vu sa fille enlevée et qu'il en était tellement outré et outragé qu'il a écrit une lettre de menace de mort au lieutenant général de police. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, un petit retour en arrière. En 1750, Paris est bouleversé. La police enlève des enfants dans les rues. Ça s'est déjà passé en 1720, c'était à l'époque du système de l'eau, c'était pour envoyer au Mississippi. On dit non, on ramassait des gens dans les rues, allez hop. Alors on ramasse des filles, on ramasse des garçons, puis après on ramasse des enfants. Il y a eu des émeutes terribles en 1720. Et voilà qu'en 1750, ça recommence. On enlève des enfants dans les rues.
Et Marie d'Or nous apprend qu'en 1750, on a enlevé Marie. On a enlevé Marie. Et que François était tellement outragé qu'il a écrit une lettre de menace de mort au lieutenant général de police Berryer. Si vous n'en rendez pas ainsi, je vous ferai la peau, etc. Ce témoignage du comte de Marie d'Or va se retrouver consigné sur un petit papier qui est très très bien rangé dans les papiers du procureur. C'est là où je l'ai trouvé, c'est pas moi qui l'ai découvert. Hein. Vous savez, pour faire de l'histoire, on commence par lire le travail des précédents historiens. Il y a un monsieur américain qui a fait tout un travail sur Damien et qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il a raconté à son maître que sa fille avait été enlevée, c'est n'importe quoi. » Donc lui, il avait vu ça. Quand j'ai dit « Comment il avait... sa fille avait été enlevée ?» Mais moi je dis que c'est une affaire de mœurs. Donc je suis allé retrouver ce papier, j'ai vu effectivement que Marie d'Or a fait cette déclaration qui n'a pas été retenue, mais qui se trouve dans le dossier en feuille volante. Donc, la déposition du comte de Marie d'Or ne sera pas enregistrée. Ce qu'on va enregistrer concernant cette affaire dans la déposition du comte de Marie d'Or, c'est « Damien était un bon serviteur qui faisait montre d'étourderie, il avait tendance à voir de la police partout et à se montrer révolté pour des injustices qu'il croyait qu'on lui avait faites. » C'est-à-dire que le comte de Marie d'Or a déposé, mais on n'a pas voulu déposer en détail que Marie a été enlevée. Vous avez quel âge ? 11 ans. 11 ans. Tout ce qui a été dit dans la journée a disparu. Dès le vendredi soir, on savait que Marie avait été enlevée en 1750 et ça a été escamoté définitivement. Le jour même, le roi savait que la fille de Damien avait été enlevée en 1750. Le jour même, il donne l'affaire au Parlement. Il accepte que le Parlement juge Damien. Tiens. Qu'est-ce que le Parlement a à voir avec cette affaire-là ? Eh bien, figurez-vous que le Parlement est le gérant, je ne sais pas si on peut dire comme ça, il est l'administrateur de l'hôpital général, qui est le lieu de renfermement des femmes et des enfants. Les enfants en souffrance, la DAS de l'époque, si vous voulez, les enfants en souffrance sont enfermés à l'hôpital général sous la responsabilité unique de messieurs du Parlement, qui sont l'alpha et l'oméga de toute la politique sociale en direction des enfants trouvés. Et il est de fait qu'en 1750, les enfants qui ont été enlevés ont été mis à l'hôpital. Ils en sont ressortis, j'ai vérifié. La fille de Damien n'en fait pas partie. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé à chercher les disparitions d'enfants sous l'Ancien Régime. Mais il est de fait que les enfants qui étaient enlevés en 1750 étaient mis à l'hôpital général. Et l'hôpital général, c'était la chasse gardée de messieurs du Parlement. Même l'archevêque n'avait pas le droit d'y mettre le nez. Quand l'archevêque de Paris, Monseigneur de Beaumont, est allé voir ce qui se passait à l'hôpital général, le Parlement s'est mis en grève. En grève. Et toute la guerre du mi-temps du siècle, milieu du siècle, entre le roi et le Parlement, c'est est-ce que le roi a le droit d'aller voir ce qui se passe à l'hôpital, oui ou non. Je reviens à mon affaire de Damien. Le soir, le lendemain matin, samedi matin, le roi fait savoir au Parlement qu'il aura le jugement, c'est la réconciliation après 40 ans de guerre. Ça a pris 2 jours. Le lendemain, tous les juges s'assemblent, ils ont gagné. Damien va revenir sur Paris, on nomme 2 rapporteurs, Sever et Pasquier, qui vont s'occuper de son cas. Ces 2 rapporteurs ont été le premier Sever à instruire l'affaire des enlèvements d'enfants en 1750, parce qu'il y a eu des émeutes sanglantes. Il y a eu des morts, il y a eu un jugement inique. On a condamné les enleveurs d'enfants à 3 livres d'amende au bénéfice des pauvres et ceux qui les ont, il y a eu quand même mort d'homme, faut pas exagérer, mais enfin disons, les parents révoltés, les séditieux révoltés contre les enlèvements d'enfants à la peine de mort. Et Sever, ce qui va juger Damien, est l'un d'eux. Et c'est celui qui avait instruit l'affaire des enlèvements d'enfants. Et le deuxième, qui s'appelle Pasquier, c'est un janséniste outré, un janséniste militant, et c'est lui qui, dans quelques années, aura la peau du chevalier de la Barre. Le chevalier de la Barre, ça sera en 1765, hein, ça sera 7 ans plus tard. C'est une affaire absolument aberrante. Le chevalier de la Barre, il était absolument pas passible de la peine de mort, mais Denis-Louis Pasquier fera en sorte qu'il soit
qu'il soit condamné et exécuté sans aucune rémission possible. Voilà, voilà les deux tristes sires qui vont s'occuper de l'affaire d'Amiens. À Versailles, le défilé. Alors, Damiens va être jugé à Paris, mais il est toujours à Versailles, donc l'instruction continue. Et il y a un défilé de témoins dans la geôle. Ça n'arrête pas. Les gens viennent, ils le reconnaissent, ils déposent. Et il y a Damiens a dit qu'il avait servi chez une madame de Sainte-Reuse. Reuse, R-H-E-U-S-E. Tout le monde connaît cette madame de Sainte-Reuse. Elle est la maîtresse de Marigny. Marigny est le frère de la Pompadour. Damiens a été domestique du frère de la Pompadour. D'accord? Ça commence à s'éclaircir un petit peu, comment on fait pour le reconnaître. Voilà. Donc, le marquis de Marigny, frère de la Pompadour, et l'amant de madame de Sainte-Reuse, qui a un mari complaisant, il a accepté de porter les cornes, je ne sais pas à quel titre, mais enfin, ça se faisait quand même beaucoup. Et dès le vendredi 7 au matin, donc nous sommes avant cette fameuse journée du vendredi 7 qui est tellement, tellement essentielle, un commis des bâtiments du roi, alors Marigny, il est responsable des bâtiments du roi, et un commis des bâtiments du roi vient déposer sur le simple signalement de Damiens que c'est le portrait craché de l'ancien domestique de monsieur de Marigny. Donc on le reconnaît. Et un chirurgien va dire la même chose. Tout le monde le connaît, il reconnaît à sa simple description. Il est le domestique de Marigny, il est celui qui servait le frère de la marquise. Dimanche matin, deux témoignages circulent. Damiens a été chez Marigny, qui l'a chassé. Or, Marigny se répand en détail. C'est un fou, c'est un vanaque, c'est un violent, il a fallu le renvoyer, il faisait pleurer à madame. C'est un dingue, l'écoutez pas, c'est un fou, c'est un fou. Ah bon? C'est un fou, c'est un fou, l'écoutez pas. Et Marigny va être entendu, mais il va se répandre quand même en détail, et il va dire que, quand Damiens était en Artois, il lui a écrit qu'il était désespéré. Eh oui. Et c'est vrai, on retrouvera trace de ce courrier, parce que quand Damiens était en Artois, comme il n'arrivait pas à écrire suffisamment bien, il a fait écrire une lettre au marquis de Marigny par quelqu'un d'autre qui va témoigner. Or, dans le dossier, monsieur le marquis de Marigny est transformé en monsieur le marquis de Marina. On ne veut pas mélanger. Le frère de la Pompadour se répand partout qu'il est fou et qu'il ne faut pas le croire. Mais qu'il ne faut pas le croire de quoi? Qu'il ne faut pas le croire de quoi? Tous les dépositions de Marigny ne sont pas au dossier. On n'a rien sur Marigny au dossier. Rien! Il a passé plusieurs jours à la geôle, plusieurs fois à la geôle pendant plusieurs jours. Il n'y a aucune déposition de Marigny. Le Pège, qui est l'avocat, un avocat janséniste qui tient la chronique de tout le siècle, enfin je suis allé chercher les archives de Le Pège, c'est d'une richesse extraordinaire, et d'Argenson, qui est le marquis d'Argenson, un mémorialiste de l'époque, donnent tous les deux des détails des visites de Marigny à la geôle. Donc c'est de notoriété publique que Marigny est allé voir Damiens plusieurs fois, et qu'il est allé à la geôle. Il n'y a pas trace d'un seul interrogatoire de Marigny, nulle part, nulle part. On arrête toute la famille, on arrête sa femme, on arrête sa fille, on arrête ses frères, on arrête ses belles-sœurs, on arrête son père, on arrête tout le monde et on met tout le monde au secret le plus absolu. Marie est arrêtée le 10, le temps de... Parce qu'au début, il ment comme un arracheur de dents, il ment tout le temps, Damiens, il se défend comme un diable, il ment. Votre femme, pas de femme, votre fille, pas de fille, votre père, pas de père. Puis au bout d'un moment, vous savez, dénégation après dénégation, il a fallu qu'il crache le morceau. Et dans l'intervalle, bon, on les avait retrouvés. Vous savez, il y avait des limiers, ils se sont répandus de droite et de gauche pour retrouver. Et puis on a arrêté sa femme, on a arrêté sa fille. Donc Marie a été arrêtée le 10 et son premier interrogatoire date du 10. Et moi, j'ai lu le premier interrogatoire, il est signé du lieutenant général de police. Et il y a marqué « copie de l'interrogatoire du commissaire Rochebrune ». C'est-à-dire que ce qu'on a comme interrogatoire de Marie, c'est une copie. Ah bon? Où il est l'original? Le commissaire Rochebrune, c'est celui qui a arrêté Marie. Donc son travail, c'est de l'interroger. Et la déposition du commissaire de Rochebrune a disparu. On n'a que celle de Berryer. Berryer, c'est le lieutenant général de police. C'est lui le grand ordonnateur des enlèvements d'enfants en 1750. On cache l'enlèvement de Marie et les relations avec Marigny. Qu'est-ce qui disparaît de ce dossier? C'est tout ce qui touche à Marigny et c'est tout ce qui touche à Marie. Quand le comte de Marie d'Or en parle,
on enlève l'épisode faisant référence à la fille. Et quand on interroge la fille, alors les interrogatoires de Marie et d'Elisabeth, c'est confondant. C'est est-ce qu'il est vrai que tel jour il est arrivé et qu'il a dit bonjour ? Est-ce qu'il est vrai qu'à ce moment-là il a dit que si, que là ? C'est que des questions interrogatives sur des broutilles. Il est bien évident, on sait depuis vendredi, on est lundi, que Marie aurait été enlevée, vrai ou faux, on va quand même au moins lui poser la question. Non, c'est pas dans l'interrogatoire. Vous croyez que c'est crédible ? On tient la fille, on va pas lui poser la question ? Il est évident qu'on a posé la question, qu'on a retiré la réponse. On a arrêté même les amis de Damien. Tout le monde a été arrêté et mis au secret. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on cache ? Tout le dossier Damien a été manipulé entièrement. Je l'ai épluché à la loupe. C'est vraiment là que j'ai appris à faire de l'histoire. Il y a des crétins qui racontent. Vous savez, sur Wikipédia, je dis, ouais, mais je travaille même pas en archive, attendez. Non seulement je travaille en archive, mais j'ai comparé des brouillons avec des originaux avec des recopies. Je suis allée jusqu'en Allemagne pour retrouver les archives du prince de Croy et les comparer avec celles qui étaient à Paris. C'est là que j'ai trouvé le couteau. J'ai dit, ah, maman, j'ai retrouvé le couteau de Damien. Le couteau était grand comme ça. Il y avait une lame qui était de la largeur de couteau et une petite qui se repliait dedans. C'est un couteau qui se repliait double comme ça. Et la petite lame n'était pas plus grande que ça. Et c'est ça qui a servi. Voilà. Voilà, c'était juste pour faire une égratignure. Voilà. Donc, tout le monde a manipulé le document, les dossiers d'Amiens. Et je vais vous dire, même 100 ans après, on manipulait encore. Je vais vous expliquer ce que j'ai découvert. Les archives de la Bastille ont été publiées en 1884, là on est en pleine Troisième République, là c'est la gueule, hein, c'est la République, là, par un certain François Rabesson, qui est un archiviste, qui a fait un travail remarquable, remarquable. Les archives de la Bastille publiées par François Rabesson, c'est un régal. Bah oui, mais François Rabesson, quand il s'agit de Damien, il va falloir qu'il mente. Écoutez bien, il parle à propos de courrier, il publie dans les archives de la Bastille des courriers d'un certain jésuite de cour envoyé à un anonyme abbé de XXX. Voilà. Et Rabesson nous explique en notes, parce que l'archiviste qui publie des archives, il met des notes, c'est ce qui fait l'intérêt du truc. Il écrit « Il est bon d'avertir le lecteur que les lettres de ce jésuite ne se trouvent pas dans les archives de la Bastille. Nous les avons rencontrées au milieu des papiers de monsieur de Paulmy, que M. de Paulmy avait conservé et dont la bibliothèque de l'Arsenal a hérité. Elles ne sont pas... » Alors, Paulmy, c'était le fils du marquis d'Argenson. Voilà. Donc, M. de Paulmy, du comte d'Argenson. Donc, c'est dans les archives d'Argenson tenues par M. de Paulmy qu'on a retrouvé cette lettre. Alors, elles ne sont pas autographes, mais l'authenticité ne saurait être douteuse. Nous n'avons pas hésité à les publier. Elles ont été copiées par un scribe de M. d'Argenson dont l'écriture est bien connue de ceux qui ont travaillé aux archives de la guerre. Ça, c'est vraiment un travail d'archiviste. Voilà. Il reconnaît l'écriture, il dit, voilà, ça je sais. Celui-là, on sait que c'est le commis de M. d'Argenson, c'est lui qui l'a recopié. Voilà. Voilà ce qui concerne les lettres de ce jésuite de cour à un anonyme abbé de X. Le commis de M. d'Argenson a malheureusement été trop réservé, il n'a pas transcrit les noms de ses correspondants et nous n'avons pas pu les découvrir. Voilà ce que dit monsieur François Rabesson. Monsieur François Rabesson est un menteur. Parce que un siècle et des poussières plus tard, Marion Sigaud va à la bibliothèque de l'Arsenal, ouvre le dossier d'Argenson et trouve la chose suivante. Le jésuite de cour écrit à son anonyme abbé la chose suivante, on a observé que le roi a renvoyé deux jeunes filles que Lebel lui gardait et qu'on appelait le petit ménage, mais il paraît que le grand ménage est tout à fait rétabli. Je m'excuse, excusez-moi, je viens de faire une erreur. Je vous dis ce qu'on trouve dans le dossier Rabesson. Voilà. Alors, le jésuite des cours a dit, on a observé que le roi a renvoyé deux jeunes filles que Lebel, c'est son valet. Dominique Lebel était le valet, complice du roi. Dans ses visites nocturnes, donc que Lebel lui gardait, qu'on appelle le petit ménage, mais il paraît que le grand ménage est tout à fait rétabli. Donc ce qu'on comprend de ce que Rabesson nous rapporte, c'est qu'il y a au château un lieu où le roi stocke des demoiselles, avec la complicité de Lebel. Voilà. Ce petit ménage est connu de certains initiés, et le roi, 5 jours après l'attentat, décide d'y mettre fin, il fait renvoyer les jeunes filles par le valet Lebel. Alors maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai découvert à la bibliothèque de l'Arsenal dans les papiers du fameux d'Argenson ? C'est que l'identité de l'abbé est connue, il s'appelle l'abbé de Muy, et qu'il est docteur à la Sorbonne, et qu'il loge à l'hôtel de Soubise. Alors l'anonyme dont on n'a pas réussi à découvrir l'identité, il se moque de qui, Rabesson ? Puisque moi j'ouvre le dossier et je le vois, il ment.
Et il ment pas seulement là-dessus, il ment de façon beaucoup plus grave, parce que ce que l'abbé, le jésuite, a écrit à l'abbé, c'est pas « on a observé que le roi a renvoyé des jeunes filles », mais « on observe que le roi a renvoyé deux petites filles que Lebel lui gardait et qu'on appelle le petit ménage ». Donc, on a observé ou on observe. Si c'est on observe, c'est à la date dite, c'est-à-dire le lundi après l'attentat. Et si c'est des petites filles, c'est pas des jeunes filles. La petite fille, la différence entre la petite fille et la jeune fille, ça s'appelle le consentement. Et ça, la Troisième République ne veut pas qu'on le sache. Pourquoi ? Par amour du roi ? Allons. Allons. Oh ! Vous voyez ce que je veux dire. Donc on est passé du présent au passé, on a observé un temporel et remplacé par on observe lundi 10. Et les deux petites filles, c'est pas des jeunes filles, c'est des petites filles. Voilà. Alors, pour calmer votre indignation, qui certainement est équivalente à la mienne, on était au 18e siècle, il y a des études très sérieuses qui ont été faites là-dessus, une fille était réglée à 15 ans révolus. Et on était une petite fille jusqu'à 15 ans révolus. C'est-à-dire que les filles, une fille de 15 ans à l'époque, c'est comme une fille de 11 aujourd'hui. Alors qu'on imagine le contraire. Oh, non, les filles, elles étaient bien plus matures, c'est pas vrai. Au contraire. L'âge moyen des noces au XVIIIe siècle, c'était 24 ans révolus pour les filles. Voilà. Et elles étaient réglées à 15. Donc on était une petite fille encore à 14 ans. Voilà. Cela dit, le bruit a couru que les fameuses donzelles qui étaient le petit ménage étaient beaucoup plus jeunes que ça. Je n'ai pas moyen de le vérifier. Mais la rumeur le dit, et ça, c'est un document. Ce que je vous dis, c'est un document authentique que j'ai découvert moi, enfin que j'ai découvert aux archives, j'ai découvert parce que Ravaisson a menti et que j'ai voulu vérifier. Vous savez, un historien, ça vérifie, plutôt deux fois qu'une. Voilà. Maintenant, on trouve dans les papiers du prince de Croy un manuscrit. Dans les papiers du prince de Croy, le manuscrit. Les papiers du prince de Croy ont été publiés en imprimé, mais moi je suis allé voir le manuscrit des dépositions du prince de Croy, qui se trouve dans les papiers du procureur général. Alors, il s'appelait Joly de Fleury, le procureur général. On trouve tout ça à la Bibliothèque nationale. C'est absolument passionnant. Alors, le prince de Croy a découvert dans son périple en Artois pour retrouver la trace de Damien et de tous ses cousins, il interroge un cousin de François qui s'appelle Joseph le Jeune. Et Joseph le Jeune fait une déposition. Il a dit ci, il a dit ça. Alors il dit, après avoir fait serment de la vérité, Joseph le Jeune déclare ce qui suit, que qu'il aimait le jeu et qu'il a perdu quelque argent, qu'il était taciturne, qu'il a dit une fois qu'un confesseur avait parlé de sa confession, qu'il y avait eu une émeute anciennement à Paris. Oh oh! Il y a eu une émeute à Paris. Le déposant ne sait pas pourquoi, qu'il rêvait et parlait souvent seul, que le mardi après son arrivée, il a dit aux deux autres qu'il avait eu, lui deuxième, le malheur de tuer un homme à coups de couteau, etc. Tout ça, c'est des mensonges de François. Il racontait qu'il avait tué un homme et qu'il s'enfuyait. Il n'avait rien tué du tout. Il était un peu mythomane quand il s'agissait de sa sécurité. Il faisait mensonge sur mensonge et puis c'est comme ça qu'il s'est fait prendre. C'était un très mauvais menteur, un très mauvais voleur. Voilà. Donc, à partir de cette déposition, qui est à la fois informelle mais signée, le prince a rédigé un compte-rendu qui a ensuite été recopié plusieurs fois et qu'on trouve à la Bibliothèque nationale dans les papiers du procureur. Or, je trouve dans les papiers du procureur qu'il a dit une fois qu'un confesseur avait parlé de sa confession, qu'il y avait eu une émeute à Paris, le déposant ne sait pas pourquoi, là on arrive à la fin de la page, on tourne la page, on arrive à la page suivante, qu'il rêvait et parlait souvent seul et que le mardi d'après son arrivée, il a dit aux deux autres que, etc. Alors je reviens sur ce que je viens de vous expliquer. On a deux versions presque identiques. Il n'y a pas eu disparition d'une page ou de données précises. Entre la fin de la page et la page suivante, c'est bel et bien la suite, à la fois dans la version imprimée et dans la version qu'on trouve dans les papiers du procureur. Donc, le sens est clairement que Damien a parlé devant son cousin Joseph le Jeune d'une émeute à Paris et que son cousin ne sait pas pourquoi. Qu'il y a eu une émeute à Paris, le déposant ne sait pas pourquoi. Et ensuite, qu'il rêvait parler souvent seul, que ceci, que cela. Or, dans la version imprimée qui est parue en 1757, donc après la mort de François, il y a marqué, en reprenant le truc du prince de Croy, qu'il y avait une émeute à Paris, le déposant ne sait pas pourquoi, il rêvait et parlait souvent seul. Vous entendez la différence ? On a supprimé QU apostrophe
et on change le sens de la phrase. Ce que voulait dire Joseph le Jeune, c'est qu'il a parlé d'une émeute à Paris, mais je ne sais pas pourquoi, c'est-à-dire qu'il n'a pas entendu ce qui s'est dit avant ou ce qui s'est dit après. Et on a transformé, il ne sait pas pourquoi, il parlait souvent seul. Il y a encore un bidouillage qui tient aux émeutes. Les émeutes de 1750, c'est sur les enlèvements d'enfants. On se rapproche encore de l'affaire de Marie. Donc, il ne savait pas pourquoi, il parlait de l'émeute. Et non pas, il ne savait pas pourquoi. Vous savez, quand vous trouvez un truc comme ça, vous êtes aux archives, vous dites, ils ont retiré QU apostrophe, et ça change tout. Ça change tout. S'il avait dit une phrase en l'air, il n'y aurait eu aucune raison pour qu'il s'en souvienne. Donc, ce n'était pas une phrase en l'air. Donc, François a parlé de l'émeute devant ses cousins. Voilà. Eh bien, on l'a retiré du dossier. On l'a retiré. Et on n'a jamais posé à François aucune question concernant les émeutes de 1750. Dans les pièces originales, c'est ce qui a été imprimé juste après la mort de François, on a tout imprimé. Et vous avez le dossier également des pièces originales manuscrites qu'on trouve aux archives. Les numéros de paragraphes ne se suivent pas. Un interrogatoire en justice, vous avez question numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, brrr, 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 puis après 125, 126, 128, 240, etc. Eh bien, entre 70 et 78, il y a un blanc. On passe de 70 à 78. Il est bien évident que les questions 71, 72, 73, 74, etc. ont été posées. Mais on ne les a pas recopiés. Ce ne sont pas des originaux, ce sont des recopies. L'original a disparu. On a arrêté son ami Julien Le Guérinet. On l'appelait Saint-Julien. Il était domestique, comme François. Il était originaire d'Artois également. Et quand il était à Arras, Julien et François se sont rencontrés. Et François a dit à Julien, est-ce que tu peux, quand tu vas à Paris, parce que Julien devait rentrer à Paris avant l'autre, est-ce que tu peux aller voir mon frère? Donc, François donne une commission à faire à son ami Julien, et voilà qu'on va chercher Julien et qu'on lui dit, vous avez fait une commission pour François. Et Julien dit, oui, c'est exact. Mais pourquoi on ne trouve pas ça dans les interrogatoires de François? Pour qu'il soit allé voir Julien en disant, François vous a donné, etc., et que c'est vrai, il faut bien que François l'ait dit. Or, ce n'est pas dans les interrogatoires. On a retiré combien de pages à ces interrogatoires? Qu'est-ce que c'est que tous ces trous? Qu'est-ce que c'est que tous ces trous? D'autre part, il y a un joueur de flûte qui se présente chez les commissaires, qui dit, voilà, je connais François Damien depuis des années, je connais sa femme, je connais sa fille, on était copains. Je le connais très très bien, je viens témoigner. On n'a pas besoin de vous, vous pouvez repartir. On ne l'a pas écouté. Pourquoi? Parce qu'il avait du bien à en dire. Donc on l'a renvoyé. C'était pas intéressant. Les juges savaient exactement qui ils voulaient entendre et qui ils ne voulaient pas entendre. Maintenant, il y a beaucoup plus grave au niveau des faux. Le 14 janvier, le procureur général Joly de Fleury rédige les lettres patentes signées du roi qui confie au Parlement le jugement de Damien. Le 14, l'attentat a eu lieu le 5. Il s'adresse au Parlement au nom du roi et il dit « Les sentiments, comme si c'était le roi qui parlait, les sentiments de religion dont nous sommes pénétrés et les mouvements de notre cœur nous portaient à la clémence, mais nos peuples, à qui notre vie n'appartient pas moins qu'à nous-mêmes, réclament de notre justice la vengeance d'un attentat commis contre des jours que nous ne désirons conserver que pour leur bonheur. » Voilà, c'est ce que le roi dit. Je décide, je vous l'ai pardonné, mais on réclame de moi une justice éclatante. Je vais donc satisfaire mes peuples. Pour qui je conserve ma vie, pour l'amour de qui je conserve ma vie, et non pas pour l'amour de moi. Il valide entièrement la procédure commencée à Versailles, et il veut qu'elle soit continuée. Et il dit, voulons en conséquence que les charges, informations et autres procédures qui ont été faites en la prévôté de notre hôtel soient portées au greffe de notre Parlement, ensemble, toutes les pièces servant à conviction. Le roi, après 40 ans de guerre contre le Parlement, leur remet l'intégralité du dossier entre les mains. Et de ce dossier, il manque tout ce qu'a dit François le jour même de l'attentat, et qui est évoqué le lendemain soir, prétendu premier, et en fait est un deuxième interrogatoire. Je viens de m'embrouiller, vous avez compris. Tout ce que François a dit entre le 5 et le 6 a disparu, et le roi valide cette disparition. C'est pas possible qu'il soit pas au courant, il est tenu au courant minute par minute, heure par heure, disons. L'évocation de la disparition de Marie par Marie d'Or n'est pas dans le dossier.
Les rapports de Maboul et Villeneuve ne sont pas dans le dossier. Vous avez deux personnes qui ont été spécialement nommées. Leur rapport n'est pas dans le dossier et le roi valide cette absence. Les rapports et les entretiens quotidiens que le grand prévôt de Sourches a avec le prisonnier ne sont pas dans le rapport et le roi valide ça. Le témoignage de Marigny n'est pas dans le dossier, sa confrontation avec François n'y est pas non plus, et tous les détails fournis par François sur Saint-Julien, et certainement encore d'autres choses, ne sont pas dans le dossier. Le roi valide et il envoie tout au Parlement. Expurgé. Tout le travail du marquis de Sourches, qui a fait un travail remarquable pendant une douzaine de jours, va se retrouver réduit à 5 interrogatoires complètement tronqués, signés Leclerc du Brillet, et totalement insignifiants. Sur les témoins qui ont défilé, à dire « moi j'ai dit ci, moi j'ai dit ça, et puis il m'a dit ci, il m'a dit ça ». C'est ça qui va arriver au Parlement. Et à partir de là, le Parlement va commencer à travailler. Les manipulations du dossier continuent de plus belle arrivée au Parlement. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Arrivé dans un interrogatoire de François, il est à la tour Montgomery, c'est-à-dire dans le cœur du palais de justice, il y a une tour qui a disparu maintenant, qui était la tour où avait été enfermé le malheureux Ravaillac, qui a subi le même sort. Il paraît qu'on a voulu que pour Damien, ça soit encore pire que Ravaillac, si c'était possible, et ça l'a été. Donc, à la tour Montgomery, vous avez les commissaires qui viennent interroger Damien. Et là, dans un des interrogatoires, on lui demande si Madame de Saintreuse, alors on ne dira jamais Marigny, on dit Madame de Saintreuse, hein, dès qu'on évoque la présence chez le frère de la Pompadour, c'est Madame dont on parle. On lui demande si Madame de Saintreuse l'a bien renvoyée à cause de ses violences. Quelle violence ? C'est ni dans les interrogatoires de Madame de Saintreuse, ni chez lui. Donc, tout est bidouillé. Et c'est vraisemblablement Marigny qui a parlé de violence. Parce que Marigny, quand il se répand, il dit il était violent. Ah bon ? Ah bon ? Donc on va l'interroger sur des trucs qui n'ont officiellement pas été dits. Vous savez, les faussaires, il faudrait qu'ils soient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus précautionneux que ça. Hein. C'est pas facile de fausser complètement des dossiers. Hein. Un limier, genre cinglé comme moi, là, qui veut absolument la vérité, on finit toujours par trouver les bidouillages. Maintenant, les faux en écriture du dossier, c'est absolument insensé. Le samedi 22 janvier, la Cour, Grand Chambre, Assemblée, ordonne que... Tac, 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 tac. C'est un ordre du Parlement qui commence par la Cour. La Grand Chambre, Assemblée, ordonne que... Le procureur général signe cet ordre. Le procureur général a signé un faux. Le 22 janvier, la Grande Chambre ne s'est pas assemblée. On a donc des documents, un document authentique signé du procureur qui est un faux intégral. Le procureur veut ordonner, il fait comme si la Grande Chambre s'était assemblée alors qu'elle ne s'est pas assemblée. La Cour ordonne le 29 janvier que ceci et cela. Le 29 janvier non plus, elle ne s'est pas assemblée. Et comment on sait ? Eh bien, on le sait parce qu'il y a des gens qui tiennent leur journal, notamment un certain Edmond Barbier, qui est avocat, qui est au palais tous les jours et qui, dans son journal, dit « Aujourd'hui, le Parlement n'a pas siégé. Aujourd'hui, la Grande Chambre fait toujours relâche. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en grève. Ils sont en grève. Alors, ils vont se rassembler pour juger Damien, mais en attendant, ça ne fonctionne pas. Et vous avez Barbier qui, tous les jours, dit « Aujourd'hui, le Parlement n'a pas siégé. Or, le Parlement n'a pas siégé, mais la Cour ordonne que... Devant la Grande Chambre Assemblée, ordonnons que... » Et il dit, vu la Cour, la Grande Chambre Assemblée, la requête présentée par le procureur général du roi contenant que... La même chose le 5 février. La Cour ordonne, la Grande Chambre Assemblée ordonne que c'est un faux et c'est encore signé. Le 5 février, le 17 février, le 26 février encore... Pour le tout fait communiqué au procureur général du roi et vu par la Cour ordonner que ce que de raison fait en Parlement la Grande Chambre Assemblée, qui n'était pas assemblée. Ce dossier est un ramassis de faux signés du procureur général. Le procureur général, c'est le personnage le plus important du système judiciaire d'ancien régime. Au-dessus, c'est le roi. Il signe des faux. Je les ai vus, ces faux. Ils sont estampillés, ils sont en parchemin, ils sont scellés. Ce sont des vrais faux. Vous savez ce que c'est un vrai faux ? C'est un document authentique qui ne contient que des mensonges. Voilà. Mais authentique, c'est-à-dire authentifié. Le 8 mars, encore, vu par la Cour, la Grande Chambre assemblée, le 8 mars, la Cour ne s'est toujours pas assemblée. Vu par la Cour, la Grande Chambre assemblée, la requête du procureur, le 17 mars, encore un faux.
et le lendemain, vendredi 18, qui verra un faux de plus s'insinuer sur les pages déjà bien fournies des pièces originales. Dernier mensonge, vendredi 18 mars, la Grande Chambre assemblée, le document est encore un faux. Tous ces documents sont parcheminés, tamponnés, inattaquables et signés du procureur. Ils sont tous faux. Voilà. Interrogatoire fait par nous René Charles de Maupoux et François-Mathieu Mollet, chevalier conseiller du roi en ses conseils, premier et second président de la cour de parlement. On trouve ça sur un document. Or, c'est écrit de la même écriture que tous les interrogatoires de tout le monde, mais c'est signé uniquement du greffier. On met dans le dossier un interrogatoire fait par le premier président et un conseiller du roi alors qu'il n'y a pas leur signature. Il n'y a la signature que du greffier. Or, c'est ce que le greffier a mis dans le dossier. Où se trouve l'original et qui a-t-il d'autre sur l'original ? Il est vraisemblable que il n'y a même pas la signature de François, alors qu'il signe tout, lui. Je reconnais bien. Si je vois une signature de Damien, je la reconnais. Hein. Il a une signature, comme tout le monde, il a une signature caractéristique. Mais j'ai tellement vu sa signature, j'ai tellement vu tous ses paraphes que il n'y a pas sa signature. Donc ça, c'est encore un interrogatoire fait par deux très éminents personnages dont on n'a pas l'original. Et on ne sait même pas s'il a eu lieu. En tout cas, on se servira de ce qui est dit dedans. Le prince de Croy, qui fait son enquête en Artois, est persuadé que Damien a agi seul. Il a tout en main. Il a interrogé tout le monde. Il dit, c'est un type qui est angoissé, c'est un type qui va mal. Il se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Il est arrivé en... Alors, qu'est-ce qu'il a fait, François, quand il est arrivé en Artois? Il est allé voir son frère, pauvre peigneur de laine à Saint-Omer. Il avait de l'or plein les poches. Il a joué au grand seigneur qui avait gagné la loterie. Oui, parce que vous savez, à la télévision, on vous raconte que c'est Casanova qui a inventé la loterie. Non, la loterie, les rois de France, ils connaissaient ça depuis bien longtemps. Et il y avait des loteries régulièrement. Quand l'hôtel de ville ou quoi, aux caisses, voulait renflouer un peu ses caisses, on faisait une loterie. Et le différentiel entre le gros lot et entre le gagnant et tout ce que les perdants avaient mis, ça a renfloué les caisses. Et François a raconté qu'il avait gagné à la loterie et c'était plausible. Bon, sauf que son frère et les amis de la famille se sont vite rendus compte qu'il n'était pas bien et qu'il était très angoissé. Et puis un jour, il y a un agent de police qui est arrivé chez eux en disant « Nous recherchons François Damien. Est-ce qu'il est chez vous ? Il est recherché pour vol. » Donc c'est là qu'ils ont compris, et c'est là que la folie vous savez, il est parti en vrille, alors c'est là qu'on a essayé de le faire enfermer à Saint-Venant, en disant, bah, il sera au moins à l'abri. Sauf que ça aurait été mentir, pour qu'il se fasse enfermer comme fou à Saint-Venant, il fallait qu'il y ait une décision de justice, il ne pouvait pas en montrer. Donc il pouvait être accueilli comme fou, mais il n'était pas fou, donc on ne l'a pas accueilli. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Et avec beaucoup de bienveillance, hein, le religieux qui a ouvert à Saint-Venant en disant « Oui, oui, on m'a parlé de la venue de votre frère. Oui, oui, la chambre est prête, mais n'oubliez pas de vous munir de la décision de justice. » Alors Antoine, le frère, a dit la décision... « Bah oui, pensez bien, enfin, attendez, bien sûr, si votre frère est fou. » On n'enferme pas les gens comme ça. Hein. Il est fou, alors on va l'enfermer. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut qu'il y ait une enquête et tout. Donc c'est comme ça que le malheureux François, qui pensait pouvoir échapper à la justice, n'y a pas échappé, et qu'il a continué son périple jusqu'à revenir commettre l'attentat. Voilà. Donc, où en étais-je ? Le prince de Croy, il fait toute cette enquête et il arrive à percer le personnage. Il a interrogé les frères, il a interrogé les voisins, il a interrogé les cousins, il a interrogé tout le monde. Et il est persuadé que François est un garçon qui a été pris d'angoisse pour des raisons qu'il n'explique pas, mais qu'il a agi seul, il en est sûr. Il n'y a pas l'ombre d'un complot là-dedans. Il dit, il n'y a pas l'ombre d'un complot. Et il écrit au grand prévôt, il est encore en Artois, « Je ne vois aucune marque de complicité dans ce pays. Je persiste à croire que cet exécrable n'a agi que de sa tête, étant d'un caractère à tout faire par lui-même. S'il a été poussé par quelqu'un, il faut que ce soit à Paris avant son vol. Parce qu'entre le moment où il est revenu d'Artois et le moment où il a attaqué le roi, il s'est passé trop peu de temps. »
Il s'est passé trop peu de temps, il est arrivé le mardi, ou le lundi, il a attaqué le roi le mercredi. Donc, il faut que ça ait été avant. Donc, le prince de Croyes dit, moi, de mon enquête, je vous dis, ce type-là a agi seul. Si vous avez d'autres informations, peut-être. Mais... Et quand les rapports du prince de Croyes sont tellement circonstanciés, ils sont tellement précis, ils sont tellement minutieux que tout le monde l'applaudit. Et on dit, c'est magnifique. Et tous les interrogatoires de François sont faits à partir des dépositions du prince de Croyes. Est-ce que c'est vrai que vous êtes allé à tel endroit? Est-ce que c'est vrai que vous avez dit ceci? C'est comme ça d'ailleurs que acculé, il se rendait compte qu'on savait tout de lui et qu'il a été obligé de tout lâcher. Donc la thèse du complot ne tient pas la route. La personne qui a le plus enquêté sur François, c'est le prince de Croyes. Et il dit la thèse du complot ne tient pas la route. Il termine son travail, il rentre à Versailles, tout le monde lui dit bravo, ah monseigneur, c'est tellement beau ce que vous avez fait. Tout le monde le félicite. Et on lui dit que votre travail est tellement précis qu'il sert de trame à tous les interrogatoires. Mais chaque fois qu'il dit, mais vous savez qu'il n'y a pas eu de complot, on ne l'écoute pas. Il dit, attendez, j'ai fait de bon travail. Oui, il n'y a pas eu de complot, mais taisez-vous donc. On le félicite pour le faire taire, en fait. On harcèle Damien pour savoir le nom des commanditaires de son attentat, alors que le prince de Croyes est là pour dire, je vous dis qu'il n'y a pas de commanditaire. Toute l'instruction consiste à faire dire à Damien qui l'a armé. Et ils ont tout en main, il dit personne. C'est un excité. Personne ne l'a armé. Les juges savent pertinemment qu'il n'y a pas eu de complot. S'ils continuent de chercher des complices, c'est parce qu'ils ne veulent pas chercher la vérité. Et s'ils ne la cherchent pas, c'est qu'ils l'ont déjà. On invente un jésuite. Alors, il faut qu'il y ait un complot. Qu'est-ce qui peut être responsable d'un complot contre le roi? On va inventer un complot jésuite. Pourquoi? Parce que c'est pratique. Les jésuites, ça sert à ça. Quand on est magistrat janséniste à l'époque, un jésuite, ça sert à s'essuyer les pieds dessus. Donc là, il y a eu un attentat, c'est forcément les jésuites. Alors, vous avez un gars qui s'appelle Louis-Adrien Lepège. C'est un janséniste de ces jansénistes. C'est un avocat... Je ne sais pas s'il plaidait, hein. Il ne devait pas beaucoup plaider parce qu'il était toute la journée à écrire ses trucs. C'est lui le rédacteur des Nouvelles Ecclésiastiques, qui est l'organe du parti janséniste. Il est le fabricant des calomnies contre les jésuites. Et lui, il écrit en disant c'est les jésuites ceci, c'est les jésuites cela. Et il écrit notamment quand un homme est sans nom et sans état dans la société civile, il est évident par cela seul qu'il a été que l'instrument de la passion d'autrui. Personne ne peut concevoir dans ce milieu-là que François ait pu avoir une raison personnel de s'en prendre au roi. Comme il est rien, il est donc forcément l'homme de quelqu'un d'autre. C'est d'un mépris absolument insensé. Le prince de Croyes est le seul à dire, mais non, écoutez, je vous dis, il a fait ça de lui-même. Et Lepège va raconter partout, et ça va être repris, y compris par les tenants des Lumières. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est que les jansénistes et les Lumières, en principe, ils n'ont rien à voir. Les Lumières, c'est la raison, c'est Dieu, on s'en fiche. On veut bien l'évoquer parce qu'il ne faut pas trop se faire mal voir, mais on n'y croit pas. Voilà. Donc, c'est le règne de la raison. Et les jansénistes, c'est la grâce aux élus, etc. Ce sont des bigots. Et l'un comme l'autre ont un seul ennemi, c'est les jésuites. Il faut qu'on s'en débarrasse. Ils vont les avoir, les jésuites. Ils vont réussir à s'en débarrasser. Eh bien, les tenants des Lumières, comme le parti janséniste, vont raconter partout que ce sont les jésuites qui ont armé le bras de Damien. Et moi, j'ai retrouvé l'original de toutes ces calomnies. C'est le fameux Lepège. Il écrit pour les uns, écrit pour les autres. La fabrique de calomnies contre les jésuites, c'est Lepège qui les écrit. Il les envoie aux Lumières, aux encyclopédistes. Et il les envoie à ses petits camarades du parti janséniste. Voilà. Donc, Les jésuites sont accusés depuis leur existence de prôner la mort du roi. Il est de fait qu'un jésuite nommé, est-ce que c'était Mariana ou un autre, je ne sais pas, enfin à la grande époque du développement de la Compagnie de Jésus, un jésuite a théorisé que le roi, étant dépositaire de la volonté du peuple, il est représentant de la volonté, si le roi trahit le peuple est en droit de se débarrasser du roi. Voilà, c'est une théorie, ça ne veut pas dire qu'ils disent que le peuple a le droit de tuer le roi, c'est pas ça. Mais disons que le principe que le roi est redevable au peuple et que le peuple, à ce titre, est en droit d'exiger du roi qu'il le défende, c'est un jésuite qui l'a théorisé, et on a transformé ça par haine des jésuites en « les jésuites prônent le régicide ». Donc du moment où vous avez une tentative de régicide, c'est les jésuites. Voilà, et hop,
On fait le raccourci comme ça. Et le prince de Croix est exaspéré. Il dit, arrêtez votre complot, je suis quand même le mieux placé. Et un soir, il va voir la Pompadour, parce qu'il est vraiment très très bien en cours, il arrive à approcher la maîtresse du roi, et il s'approche d'elle et lui dit, Madame, vous savez que si, que là, et elle lui dit qu'il faut arrêter de continuer, s'il veut continuer de se faire bien voir, il faut qu'il arrête de parler librement, on lui demande de se taire. Et il ne comprend pas pourquoi. Et moi j'ai compris en lisant ses papiers, mais lui il ne comprend pas pourquoi. Et comme il écrit son journal, et ben, je le crois qu'il ne comprend pas. Voilà. Donc en fait, c'est la motivation personnelle de Damien qu'il faut chercher. C'est évident. C'est évident. Il n'y a pas eu complot, il n'y a pas eu complot. S'il y avait un complot, on aurait trouvé. En plus, alors ils mentent tous dans les interrogatoires. Ils essayent de lui faire dire que l'influence que les jésuites ont eue pour lui, sur lui, et Voltaire va reprendre en disant qu'il a été, il a servi longtemps chez les jésuites. Il a servi un an chez les jésuites et tout le reste du temps, il a servi chez des jansénistes. Bah oui, mais c'est pas grave. On va dire qu'il a servi un petit peu chez les jansénistes et puis beaucoup chez les jésuites. C'est faux. C'est faux. Voilà. Donc, à la Grande Chambre qui va juger Damien, donc ça y est, la Grande Chambre se reconstitue. Comme le roi n'a pas voulu pardonner à tous les magistrats, et à ceux qui ont été les plus odieux dans la guerre contre le roi, le roi n'a pas voulu leur pardonner. Donc, il a conservé pour la Grande Chambre ceux qui n'étaient pas les plus déchaînés. Et il a convoqué les princes et pères, voilà, les princes, c'est-à-dire la famille royale, et les pères de France, c'est-à-dire tout ce qui pouvait permettre de constituer un tribunal valide. Ils ont réussi à créer un tribunal valable et les commissaires vont devant cette grande chambre faire leur rapport. Damien est toujours dans sa geôle, il n'est pas encore confronté à ses juges et les commissaires font leur rapport. Et les princes et pairs apprennent qu'ils ne pourront pas assister à la question. Alors, vous savez ce que c'est? La question, c'est la torture. Bon. La torture est ce qu'on fait subir à un condamné et pas à un accusé. Hein. Contrairement à ce que Voltaire a raconté, il dit qu'on condamnait les gens parce qu'on les avait torturés, qu'ils avaient avoué. C'est pas du tout comme ça. D'abord, qu'ils avouent pas, on les condamne quand on est sûr qu'ils sont coupables et on les torture après. Après. C'est-à-dire que la condamnation à la torture est dans le jugement de condamnation. La torture est dans le jugement de condamnation. Et c'est le cas pour tous les cas que j'ai étudiés et c'est comme ça que ça se passe à l'époque. Donc. Une fois que le condamné il est condamné, qu'il est perdu, on dit il n'a plus rien à perdre. Donc si on le torture pour avoir ses complices, il va les dire. C'est comme ça que ça résonnait. C'est très barbare. Hein. Moi, je ne défends pas du tout. C'est vraiment dégueulasse. Mais c'est une réminiscence de l'ancien jugement de Dieu, de l'ancienne ordalie. Du temps avant l'instauration de la justice inquisitoriale qui instruisait à charge et à décharge, dans l'ancien droit, il fallait prouver, il fallait que la vérité soit claire comme le jour de midi, et quand on n'avait pas la vérité, on se disait que le jugement de Dieu permettrait de faire émerger la vérité. Le jugement de Dieu, c'est la pression physique, c'est-à-dire c'est la torture. Voilà. Donc c'est une réminiscence de ça, c'est Louis XVI qui l'a aboli, voilà. Louis XVI a aboli la torture, ça ne lui a pas rapporté grand-chose, le malheureux, d'avoir été cet humain-là. Mais à l'époque de Damien, donc, la torture est encore utilisée, et elle doit être utilisée contre Damien. Voilà. Et là, les princes et pères apprennent qu'ils ne pourront pas assister à la torture. Il est bien évident, attendez, s'il est torturé, il va crier la vérité. Ah ben non, 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 il n'y a que nous, les commissaires, qui allons pouvoir. Ils se sont empoignés à la grande chambre. Ils se sont empoignés. Les princes disaient, nous voulons être présents. Non, vous ne serez pas présents. Si nous sommes présents, non, nous ne serons pas présents. Et qui c'est qui a eu raison? C'est les commissaires. Parce qu'ils ont fait valoir la jurisprudence dans tel et tel et tel et tel procès. Donc, les princes et pairs apprennent qu'ils ne sauront pas ce qu'a dit Damien sous la torture. C'est évident que c'est là que la vérité explose. Donc, on va le leur cacher. Que les interrogatoires continuent pendant que la grande chambre siège, les interrogatoires continuent. Et à propos de la déposition de Marie d'Or, parce que on fait déposer les témoins et ensuite on confronte les témoignages à l'accusé. Et à propos de Marie d'Or, on demande à Damien si dans le temps qu'il a servi dans la maison de Monsieur de Marie d'Or, il ne se chargeait pas, par préférence à ses camarades, du soin de nettoyer la chapelle des domestiques et de les préparer. Ça veut dire que ça n'est nulle part dans les interrogatoires de Marie d'Or. Et on repose la question à Damien après l'interrogatoire de Marie d'Or. C'est quasiment la preuve qu'ils donnent qu'ils ont tronqué tout le témoignage de Marie d'Or. C'est fou. Et c'est dans le dossier. Le 13,
mars, le comte Charles-Louis Auguste, comte de Marie-Dor, grand sénéchal du Maine, dépose. Que Damien le servait bien et qu'il avait de l'esprit, mais il buvait quelquefois et il avait le vin querelleur. Son caractère lui a paru difficile à définir, n'étant point stable. Or, sur un point qui était d'aimer à mettre de la police partout et de tenir des propos menaçants contre ceux qui lui feraient des injustices ou qu'il jugerait tels. Voilà comment on a transformé les lettres de menace de Damien en direction du lieutenant général de police à l'occasion de l'enlèvement de la petite Marie. Voilà. Donc, la déposition informelle de Marie d'Or qu'on a trouvée datée, non datée, mais disons dans le correspondant au témoignage du 7 janvier, voilà ce que c'est devenu pour la cour. Donc, personne n'est censé savoir ce que le comte de Marie d'Or a vraiment dit. Voilà. Alors, concernant Marigny, qu'est-ce qu'il est important de savoir? Et ça, c'est pas dans le dossier, mais c'est moi qui vous le dis, parce que j'ai cherché, croyez-moi, j'ai trouvé. En 1750, le jeune frère de la marquise avait, à son retour d'un voyage en Italie, où la marquise l'avait envoyé pour qu'il se forme le goût, elle voulait en faire le superintendant des bâtiments. Il a trouvé sa sœur dans une situation désespérée. Elle n'avait plus le droit de coucher avec le roi. Alors, je vais vous donner quelques détails scabreux, excusez-moi, mais c'est de l'histoire, c'est pas pour le plaisir. Le roi, qui était très très infidèle, avait attrapé un truc, une saleté, et il avait infecté la marquise. Et la marquise, elle pouvait plus. Voilà. Elle était infectée par où elle était censée œuvrer. Donc son médecin lui avait dit interdiction. Il a circulé des ignominies sur la marquise, vous pouvez pas savoir. Comme elle avait mal, vous avez compris, il y a des pamphlets qui ont circulé sur son compte. Elle en a été tellement outragée qu'elle en est tombée malade. Vous vous rendez compte, vous avez des problèmes gynécologiques et tout le monde se gausse. Et on fait, oh, moi, j'aurais pas aimé ma maîtresse du roi, croyez bien, ni sa femme d'ailleurs. Voilà, parce que sa femme, c'était pas une sinécure, mais être maîtresse en titre, c'était vraiment pas drôle non plus. Voilà. Donc, en revenant d'Italie, le jeune marquis de Marigny trouve sa sœur désespérée. Elle n'a plus le droit de coucher avec le roi. Ben, comment elle va faire? Elle est là pour ça. Elle va donc perdre son pouvoir. Alors, ils vont s'arranger. Ils vont se mettre en cheville avec le valet Lebel et ils vont chercher des gamines. C'est eux, la corruption du roi. C'est eux qui vont mettre des gamines dans le lit du roi. La première qu'ils trouvent, elle s'appelle Louison O'Morphy. Elle a 14 ans. Elle est belle comme le jour. Ils ont fait, alors le truc est absolument odieux, ils ont découvert la fille, parce que les parents étaient macros. Hein. Les parents macros, c'est pas ça qui manquait. Ça n'a jamais manqué, ça existait, ça existe encore. Donc ils ont découvert une poupette de 13-14 ans qui était de toute beauté. Ils l'ont fait peindre, toute nue, sur un lit. Et ils ont montré le portrait au roi. Ah, le roi a dit, ah, mon Dieu, mais elle est jolie. Vous voulez qu'on vous la présente? Et hop, on lui a mise dans le lit. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que la corruption a commencé. C'est du macrélage. Et qui est le macro en chef? Eh bien, c'est Madame de Pompadour. Mais l'agent, c'est qui? C'est Marigny. C'est son frère. Qui se balade partout avec son domestique. Marigny emmène partout Damien, et Marigny à ses entrées chez le roi. Le propre père de Marigny et de la marquise, qui est un homme de la dernière vulgarité, mais que jamais ni l'un ni l'autre n'ont renié, hein. D'ailleurs c'était pas le vrai père, hein. Il était l'homme qui avait épousé leur mère, il était extrêmement vulgaire, mais il avait son franc-parler, et quand il disait quelque chose, on pouvait en tenir compte. Il disait un jour que le roi dîne avec elle, je comprends, il couche avec, mais avec lui je comprends pas. Je ne comprends pas que le roi accepte mon garnement de fils à sa table. Or, nous savons, nous, que le garnement de fils, qui était surintendant des bâtiments quand même, lui fournissait des gamines. Et ça, Damien le savait forcément, puisqu'il était partout derrière. C'est évident. Damien savait, et Marigny savait que Damien savait. C'est ça qu'il n'était pas à l'aise. Pour le neutraliser, il lui a promis de l'argent. Apparemment, Damien un jour est venu le chercher en lui disant « Vous m'aviez promis. » Il dit « Je ne vous ai rien promis. » Il l'a mis dehors. On lui a fait tirer les cartes qu'il allait très mal terminer pour le terroriser. Il y a cru. Il est parti. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Et au moment où on a arrêté Damien, Marigny a paniqué comme un fou. « L'écoutez pas, il dit n'importe quoi !» Mais il a dit quoi? Il a dit quoi? L'écoutez pas. Mais tout s'explique. Je récapitule.
La fille de Damien a été enlevée en 1750. C'est une certitude. Et c'est ça qui a disparu. On l'a su 2 jours après l'attentat. Damien a été domestique de Marigny qui connaissait toutes les manigances, et il connaissait toutes les manigances du marquis et de la marquise pour remplir la couche du roi. C'est une évidence. C'est sûr que Marigny était celui qui fournissait. Les juges, par ailleurs, n'avaient rien à voir avec ça, mais eux tenaient d'une main ferme toute l'institution qui s'occupait des enfants trouvés, et dont, c'est moi qui vous le dis, c'est pas dans le dossier, mais c'est moi que j'y suis allé le voir, des milliers d'enfants disparaissaient régulièrement. Les enfants rentraient à l'hôpital général où ils étaient censés grandir et ils repartaient, ils ressortaient plusieurs mois après pour des destinations inconnues. L'hôpital général était le lieu d'un trafic d'enfants. Il y a des trafics de pédophiles là-dessous. Qui était le plus à même de tenir le secret? Ils se sont fait la guerre pendant 40 ans, ils se sont réconciliés sur le dos du malheureux Damien. Le roi n'a pas enlevé d'enfants, c'est une évidence, il n'avait pas besoin d'enlever d'enfants, c'est ridicule. C'est ce que j'avais pensé au début, comme je savais qu'on enlevait des enfants, je me suis dit, est-ce qu'on aurait enlevé la fille de Damien pour la fournir au roi? C'est une fausse piste, ça n'a jamais été le cas. Mais il est évident que si on soulevait le problème, on faisait un scandale absolument énorme, et tout le monde savait ce qui se passait à Versailles. Tout le monde savait, les domestiques parlent aux domestiques, les petites filles qui rentraient, qui sortaient, c'était les domestiques qui les faisaient entrer, les domestiques parlent aux domestiques. La rumeur concernant les mœurs du roi était exécrable, exécrable. On ne pouvait pas faire paraître dans le dossier d'Amiens le moindre soupçon qu'il fallait orienter les recherches de ce côté-là, ça n'était pas possible. Donc tout le monde s'est mis d'accord. On va faire croire au complot, on dira que ce sont les jésuites, et jusqu'au bout, on va chercher au malheureux Damien des complices dont on sait depuis le début qu'il n'y en a pas. Ce que j'explique, moi, c'est une hypothèse, parce que je ne suis pas dans la peau de Damien, et il y a tellement de pièces qui ont disparu là-dedans que ça n'est simplement qu'une hypothèse. C'est que Damien a été mortifié qu'on ait enlevé sa fille. Il l'a retrouvée, mais elle a bel et bien été enlevée, comme beaucoup d'enfants. Des petites filles. Les parents se sont tellement révoltés, ça a été l'objet d'un livre que j'ai écrit, qui s'appelle La Marche Rouge, qui va bientôt ressortir. Hein, là, on en est à fabriquer la couverture, là c'est pour bientôt. Donc toute l'histoire de la Marche Rouge, c'est la révolte des parents pour récupérer leurs enfants. Vous savez, La Marche Rouge, j'ai pris ce titre à partir de la Marche Blanche de l'affaire Dutroux. Hein. Ça a été une Marche Rouge parce qu'en Belgique, ils ont fait une marche avec des petites fleurs blanches et puis à Paris, avec des planches à clous pour massacrer des enleveurs d'enfants. Voilà. Donc La Marche Rouge, c'est terminé. 1750, et la fille de Damien a été enlevée à cette occasion. Et ces enlèvements d'enfants n'étaient pas pour le roi, ne pensez pas ça. J'ai orienté ma recherche dans ce sens-là, c'est une fausse piste. Donc beaucoup plus sûrement, c'était pour envoyer aux îles, c'était l'époque où on commençait à dire que l'esclavage des nègres c'est très 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 vilain. Vous savez pourquoi c'est vilain l'esclavage des nègres? Parce que le nègre esclave coûte de plus en plus cher, ben, on va trouver d'autres solutions. Pour remplacer les nègres, on va prendre des blancs, on va prendre des pauvres. Et puis les pauvres, ben on les prend à l'hôpital. Et puis comme il y a un nouvel archevêque qui vient arriver à l'hôpital, bon, ben, ce qu'on ne peut pas faire à l'hôpital, on va le faire dans la rue, par exemple. Et la plupart des enfants qui ont été enlevés en 1750 ont retrouvé leurs parents. Et la petite Marie a retrouvé son papa-maman. Voilà. Donc, la petite n'a pas été livrée au roi. J'avais imaginé cette hypothèse. Elle est fausse. Et aucun des enfants enlevés en 1750 n'ont été livrés au roi. Mais les trafics d'enfants étaient une réalité sous l'Ancien Régime. Et la dépravation du roi était, hélas, authentique. Le roi n'était pas un pervers. Ça n'était pas un vieux cochon qui jouissait de la dégradation de proie, ça n'était pas ça, mais il couchait avec ce qu'on lui mettait dans son lit, et on lui mettait dans son lit des jeunes filles de plus en plus jeunes. Et ça n'était pas avouable, ça n'était pas possible de mettre ça sur la place publique. C'était impensable. Tout le monde s'est entendu sur le dos de Damien pour taire cette horreur. Tout ce qui a été dit à la prévôté, tout ce qu'a dit Marie-Nord, tout ce qu'a dit François a pu dire spontanément, a disparu de la procédure, c'est tout ce qui touche à sa fille. Le lendemain de l'avenue de Marie-Nord, c'est le lendemain de l'avenue de Marie-Nord qu'on a fait renvoyer le petit ménage, c'est-à-dire les deux jeunes filles, tout correspond au niveau des dates. Et toutes les tentatives du prince de Croy pour évacuer la thèse du complot se sont heurtées à la nécessité impérieuse de trouver une raison politique ou religieuse qui masque une motivation personnelle
et légitime. Voilà. Donc, Damien, persuadé qu'il allait mourir, a voulu donner une leçon au roi. Voilà. Alors, en guise d'épilogue, le supplice de Damien a été atroce au-delà de l'imagination. Je ne vous donnerai pas de détails. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on a fait subir à ce pauvre garçon. On a l'habitude de dire que le peuple français était friand de ce genre de choses puisque tout le monde se rendait sur place. Alors, premièrement, personne n'y voyait rien. Ça, je peux vous garantir. J'ai regardé la configuration des lieux, la hauteur des barrières, l'éloignement. Personne n'y voyait rien. L'échafaud était à 70 cm du sol et les gardes... Les barrières pointues avec les gardes devant empêchaient tout le monde d'y voir, sauf ceux qui étaient aux fenêtres, et ceux qui étaient aux fenêtres, c'était les sadiques. Voilà, ben, il n'y avait pas tant de fenêtres que ça. Il y avait beaucoup plus de monde en bas que de gens pour voir. Ce que je veux vous faire savoir, c'est que tout a été fait, toutes les précautions ont été prises pour empêcher que qui que ce soit puisse l'achever d'une fenêtre. C'est-à-dire que c'est bien ce que redoutaient les juges, ce n'était pas des débordements d'enthousiasme, mais que quelqu'un le sauve. Que quelqu'un lui épargne le supplice. Preuve, s'il en est, que ce qu'on sait, c'est que le peuple n'aime pas les supplices. Contrairement à ce que dira la postérité, où on n'a pas fini de diffamer nos aïeux. Ça n'arrête pas. Le bourreau qui était chargé de cette horreur s'est fait porter pâle. Celui qu'on a retrouvé est tombé dans les pommes. On a été obligé d'en prendre plusieurs comme ça. Personne ne voulait procéder. Le supplice était tellement atroce qu'il était inapplicable. On a fini par payer grassement des valets pour le faire. Et le bourreau qui n'a pas voulu procéder a fait de la prison pour lui apprendre. Parce que le bourreau, il était quand même un peu... C'est bien, il touchait, il avait une pension à l'année pour être bourreau. Il n'est pas bourreau tous les jours, mais s'il a une pension à l'année et puis que le jour où il faut qu'il procède, il ne procède plus, il faut qu'il rende sa charge. Hein. Et il ne l'a pas fait, donc il a fait de la prison. Voilà, il n'avait qu'à pas accepter, enfin bon. Donc, il était question de le brûler avec du fer, du plomb, du soufre, etc. Enfin, du plomb et du soufre. Figurez-vous que personne n'a voulu vendre ni plomb ni soufre au valet du bourreau. C'est intéressant, c'est une forme de résistance, ça. C'est rigolo. Hein. On les a envoyés, il dit, bon, bah, allez. Alors le bourreau, comme il était tombé dans les pommes, il n'avait pas fait les courses, donc on envoie des archers, il dit, bah, vous allez rentrer en ville, il y avait une haie tout autour de la place de Grève, il dit, vous allez trouver ça chez des épiciers du coin. Ah ben on n'en a plus. Ah ben on en manque. Personne ne voulait les servir. C'est ça la complicité? Non, ça c'est la solidarité. Les gens ne voulaient pas être complices. Le peuple de Paris ne voulait pas être complice de cette horreur. Alors ils sont allés, ils ont envoyé des archers au nom du roi, ils ont bien été obligés de fournir, et le supplice a eu lieu. Voilà. Alors, Voltaire raconte que les femmes se sont fait voir, que les femmes qu'on imagine comme ça, sensibles, sont venues parader et n'ont pas loupé une miette du supplice. Alors à votre avis, est-ce qu'il n'y avait que des femmes qui ont paradé aux fenêtres et qui... Ben non. Alors, comme il y avait des femmes, eh ben, on va dire les femmes, et puis après nos aïeules, et puis les Françaises, tant qu'on y est. Hein. Donc, c'est vrai que des garces se sont fait voir comme ayant assisté au supplice, qu'elles ont vraisemblablement apprécié, mais il y a toujours eu des publics pour ça. Il y a des gens qui aiment les horreurs, on parlait de Foucault tout à l'heure. Il y a également des femmes comme ça. Et il est inutile de dire que les femmes ont assisté au supplice. Parce que ça, c'est de la misogynie, ça c'est du Voltaire. Voilà. De toute façon, Voltaire, il raconte qu'il était à Paris à ce moment-là, et c'est pas vrai, il était en Suisse. Donc il ment tout le temps. Et je voudrais rectifier concernant les femmes qui ont assisté au supplice. Ben oui, des femmes ont assisté au supplice. Je vais vous faire un aveu, des hommes aussi. Voilà. Voilà. Deux hommes des Lumières ont assisté au supplice. Il y a un certain Casanova, alors je ne sais pas si on peut vraiment le placer dans les Lumières, mais enfin bon, il a beaucoup moussé, il a fait beaucoup de bruit à l'époque et depuis. On le présente comme un grand intellectuel, c'est une crapule achevée, encore un menteur, un affabulateur. Donc lui, il a rien loupé. Alors il dit qu'il a failli se trouver mal, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi il regardait? Il avait payé pour être à une fenêtre, alors il en profitait pour sodomiser une ou deux femmes. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ces dégueulasseries là? Qu'est-ce que c'est que ces dégueulasseries? Et c'est vrai, c'est ça qu'il raconte. Et il faut trouver que c'est un témoignage. Mais attendez, c'est immonde, c'est immonde. Moi, je retiens pas des témoignages comme ça. Ce sont des menteurs, des affabulateurs et des pervers. Voilà. Et il y a un autre. Alors là, il y a un témoignage qu'il faut revenir. C'est un certain Lacondamine, un collaborateur de Diderot à l'Encyclopédie, un grand monsieur des Lumières. Alors lui, il a passé tout le supplice sous l'échafaud. Il a rien voulu louper. Et quand il s'est approché, les gardes ont voulu le repousser, et il y a un des commis du bourreau qui a dit « Non, non, laissez, on le connaît, c'est un amateur. » Lacondamine, il était dessous, et il a pris note, et il a écrit après.
C'est une horreur. C'est une ignominie. Il y a un autre mensonge que je voudrais dénoncer concernant Damien. Quand on cherche les bons mots, on dit que Damien, le matin de son supplice, a dit « la journée sera rude ». Si je tenais le menteur qui fait... C'est pas vrai. Damien, il a pleuré, il a supplié, il a hurlé, il a appelé sa mère, il avait tout ce que vous voulez. Il a jamais dit « la journée sera rude ». Jamais. Par contre, il a demandé pardon à l'archevêque de toutes les horreurs qu'on lui a forcées, qu'on l'a torturé à dire contre lui. Et il a demandé pardon, il a demandé qu'on l'achève. On n'a pas voulu l'achever, ça a duré 2h15 de déchaînement de sadisme. Il faut savoir que le roi a tenté vainement de faire commuer la peine en mascarade. C'est-à-dire, il y avait un moyen, quand un supplice devait être particulièrement épouvantable, consistant, par exemple, la mort par le feu. Il y a très très peu de gens qui sont morts brûlés vifs. On montait quelqu'un vivant sur un bûcher, on l'étranglait discrètement par derrière et on brûlait un cadavre. Et c'est comme ça que ça se faisait énormément. Et il y avait moyen pour Damien de le faire monter sur l'échafaud, de l'étrangler et de supplicier son cadavre. Les juges n'ont pas voulu. Les juges n'ont pas voulu. Les juges ont refusé au roi qui a failli tomber dans les pommes et qui a passé une journée entière en prière et en larmes. En prière et en larmes. Alors, qu'on arrête de raconter que la journée sera rude et que tout le monde s'est régalé et que le roi trouvait ça très bien. Quelqu'un a écrit « Le roi voulut même que les princes et pairs rendissent par leur présence le procès plus solennel et plus authentique dans tous ces points aux yeux d'un public aussi défiant que curieux exagérateur qui voit toujours dans ses aventures effarantes au-delà de la vérité. Jamais la vérité n'a paru sous un jour plus clair. Je vous ai raconté tous les bidouillages du dossier. » Monsieur de Voltaire écrit « Jamais, en effet, la vérité n'a paru dans un jour plus clair ». Voilà ce que j'ai découvert concernant le procès d'Amiens. Damien était un brave garçon, un bon père, un bon époux, un bon camarade, un bon serviteur, un bon travailleur, qui est tombé sur des secrets qu'il n'aurait pas dû connaître et qui, par le malheur, a voulu que sa fille soit élevée et qu'il soit particulièrement sensibilisé au sort qu'on pouvait réserver aux enfants. Sa fille en a réchappé, comme tous les enfants de l'époque de la Marche Rouge, mais la conscience en est restée, et on dit que le tournant du siècle en direction de Louis XV, ça date de cette époque-là. Il était le bien-aimé jusqu'en 1750, et à partir de 1750, il devient le mal-aimé. Et il le sait tellement bien lui-même qu'il n'a jamais remis les pieds à Paris, après cet épisode de la Marche Rouge. Et quand le roi a été attaqué le 5 janvier, il s'est retourné et il a reconnu Damien. Et il a dit « Ne lui faites pas de mal ». Et il le connaissait. Il le connaissait forcément parce que Damien trottait derrière Marigny. Voilà ce que j'ai découvert, ce que je crois avoir découvert du dossier Damien. Et je vous remercie. Alors, j'ai rencontré un très bon dessinateur qui s'appelle Loïc Serjat, qui est tombé amoureux de Damien comme moi, voilà, enfin amoureux de son histoire, et qui m'a fait une très très belle illustration de tous les détails que je vous ai donnés. Voilà.